Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur OTP League of Legends, bienvenue en Ligue française de League of Legends. La LFL rouvre ses portes pour conclure sa 7e semaine de compétition. Oui, déjà, on sait évidemment que tout le monde est absolument triste, mais rassurez-vous, aujourd'hui bien sûr plein de banger match comme d'habitude, et bien sûr un superbe pré-show, un pré-show très, très analytique, très statistique, donc forcément on a été chercher la crème de la crème. Bonsoir messieurs, bonsoir Rexma, toujours aussi élégant, jaune sur les chaussettes, mais en or à l'intérieur. Ah bah merci, comme d'hab, Twix, ouais, j'ai tenté la petite touche drip, comme on l'appelle sur les chaussettes. Et voilà, et ouais, comme tu l'as dit, il y a des trucs bien sympas dans ce pré-show et hâte de jump in. On va se mettre bien, effectivement. Tréton, bien sûr, grand support européen. Comment ça va? Écoute, ça va très bien, la touche drip de Marex me plaît particulièrement, mais ta chemise aussi est très élégante ce soir. Je vous remercie, effectivement, mais ce ne serait pas le cas sans ce corps d'Apollon. Messieurs, aujourd'hui, bien sûr, un pré-show, je vous l'ai dit. Un petit peu. En annonce statistique, on va bien sûr faire une overview sur bien quelques petits classements qu'on a à gauche, à droite, pour se remettre en condition, voir un petit peu qui a percé un petit peu dans cette saison de LFL et dans quel domaine. Bien sûr, tout en parlant de nos deux superbes affiches extrêmement importantes pour les playoffs, mais avant ça, vous le savez, comme d'habitude, bon, on se remet en condition et on regarde ce qui s'est passé hier soir dans la première journée de la 7e semaine. Écoutez, une journée qui a notamment vu passer en tête des pronostics Chips et moi-même. Pour le reste, débrouillez-vous. Oui, c'est vrai que c'est passé devant Twitter, en effet, bien joué à vous. Avec Chips qui a fait un 5 sur 5, si je dis pas de bêtises. Il est à 10 sur 10 actuellement. C'est ce qui est plutôt chaud, alors qu'on voit la victoire d'LDLCOL. Enfin, un petit peu quand même, ils arrivent à récupérer quelques points ces dernières semaines. Tu sens que ça va un peu mieux. Par contre, du côté d'EasyDream, c'est la cata ces derniers temps. Ah, la cata absolument. On avait eu Exakik en interview qui nous disait qu'aussi côté LDLCL on n'était pas forcément satisfait de cette partie. Ouais, c'est très dur des deux côtés, mais content de voir des victoires du côté des LDLC. On aimerait bien voir ce collectif uni, peut-être pour le prochain split, parce qu'on sait qu'ils sont capables de grandes choses, donc sympa que ça se finisse comme ça ces derniers matchs pour eux. Et il y a des décimales et encore décimales qui donnent des scénarios de playoff, donc attention, on garde un œil bien entendu. On continue avec le match de la Carmine hier soir face au MCES. Eh bien écoutez, pas de fabuleuse histoire d'upset pour Marseille, mais tout de même une draft qui était ambitieuse, relativement raisonné. Voilà, on va chercher le Rise of Seiken avec une Cassio, on sort une petite Jinx, mais bon, en jeu c'était différent quand même. En jeu c'était différent, mais à quel moment ce Rise est toujours laissé open à Seiken, qui fait à chaque fois de superbes perfs dessus et qui a été encore une fois extrêmement bon, avec des ultimates qui étaient assez ingénieux et qui ont été très intéressants, notamment au niveau du héros de la faille. En soi, la game était assez facile pour la K-Corp, ils n'ont surtout pas sous-estimé leur adversaire, ce qui est très important. Carrément, c'est ce qu'il me disait en interview. Maintenant, tous les matchs, peu importe l'adversaire, c'est notre jeu qui compte le plus. En parlant de matchs qui comptent, Misfits première contre Solary, vous le savez, les deux équipes sont au coude à coude dans la course au play-off, notamment les Solary depuis cette énormissime remontada. Ce match, il est important dans les scénarios éventuels de tie-break et il a été remporté, et je pense qu'on en reparlera lors de la Super Week, il a été remporté par les Misfits première. Non sans mal toutefois. Ouais, clairement, il y a toujours eu un bon combat posé du côté de Solary. On arrive à verrouiller la game. À Scale, ils étaient pas loin de prolonger leur superbe série de victoires. Et on se rassure du côté de Misfits, parce qu'on le rappelle, ils avaient commencé en 5-0 le split. Et là, on les voit en 8-5 sur ce match, donc match important pour eux à récupérer quand même. Exactement, avec un MVP sur Certus qui nous a sorti une Orianna de gala. Véritablement, autre superbe match Vitality B contre Game War, tout aussi important dans le classement des playoffs. Et bon Dieu qu'il était animé. Il était très animé, avec un truc sur S qui a fait beaucoup de play. Prime aussi avec les engages sur Sarel. On le voit là, c'est le dernier engage en termes de teamfight. Il a été excellent et ça donne un petit peu la victoire au Game Ward. Mais Vitality B, par contre, on s'inquiète toujours de leur mid game. Ils sont bons en early game, ils ont des bonnes phases de lane. Mais à chaque fois, autour du Baron Nashor, ça coince un peu. On a notamment eu une game peut-être un petit peu en demi-teinte de la part de Memento, qu'on connaissait extrêmement stable hein, quand même dans la saison. Donc voilà, les Game Wars qui ont réussi à attaquer la jungle. Vitality B, on a terminé la soirée avec BDS contre Gamers Origin. Un match d'une importance capitale pour les Géos qui comptent littéralement eh bien, chaque match jusqu'à la fin de la saison régulière pour analyser leurs chances de play-off. Ce match-là, il est comme tous les autres extrêmement important. Ils ne l'ont malheureusement pas remporté, ce qui va bien sûr intensifier la situation pour ce soir. Clairement, que ce soit Géo ou bien Vitality, comme on a pu le voir dans le match d'avant, c'est des équipes qui ont besoin de chaque match pour les playoffs. C'est en train de leur échapper, c'est des équipes qui n'envisageaient pas ne pas être en playoffs. Donc on sent qu'il y a un petit peu de pression dans ces matchs et ça commence à être difficile. On sent que la fin de saison arrive et que tous les matchs sont comptés. Ouais. Ça monte en intensité. Vous avez le classement à l'entrée hein, de cette deuxième journée de 7e semaine avec, c'est important de le préciser quand même messieurs, les deux nouvelles équipes qui ont rejoint la LFL cette année sont également les deux premières à accrocher leur slot de playoff. Un petit commentaire ?
Bah, c'est impressionnant. C'est n'importe quoi. C'est extrêmement fort de leur part, ils sont vraiment excellents. Après, est-ce que t'es vraiment sûr de ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit, genre typiquement, Tepous il a fait un petit tweet en mode c'est pas sûr encore. Comment ça c'est pas sûr? Dis qu'à 11 t'es vraiment sûr, à 10 attention. Alors effectivement, tu peux être dans une situation de tie-break, je crois. Oui. Désolé de casser ton délire du coup. On peut parler de ça effectivement, mais là, mesdames et messieurs, nous parlons d'un scénario encore une fois un peu à l'image des LDLCOL, à la turbo décimal centimal nanonimal mais animal. Le fait déjà que ces deux équipes sont tout en haut du classement de LFL, c'est déjà assez impressionnant pour leur première saison. Ils ont quand même réussi à avoir un staff et tout. Et en plus du côté de la Carmine, c'est quand même sans Gaming House avec une pratique assez particulière du coup par rapport aux équipes et qu'ils arrivent à faire fonctionner. Écoute, moi je suis tout à fait d'accord avec ce statement. Pour vous donner un autre exemple en termes de probabilité, c'est que je pourrais... Il y a autant de chances que je sois challenger un jour. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on ait ce genre de scénario rocambolesque. Donc, ça peut exister, effectivement. Mais bon, je peux te pensez-vous coacher. Vraiment que le challenger soit à ma portée? Autant de chances que Carnage ou pas? Carnage, non, là, c'est trop loin. Ils sont validés playoffs, du coup. Non, là, il faudrait disbander la ligue, rechanger le format. Enfin, okay. On parle d'un scénario véritablement rocambolesque maintenant. Mais effectivement, si on parle de pure mathématiques, notre ami Tepous que nous embrassons a entièrement raison. Le classement, on l'a vu. On va pouvoir maintenant passer à ces petits hauts faits. Voilà, de meilleures statistiques sur ce début de fin de saison. Et on va commencer avec bien, les équipes qui mettent le plus de temps à terminer leur game. Solari? T'es sûr? En termes d'ultra scaling et de temps de partie. Alors pour les terminer, peut-être pas. Non, c'est mais... les plus rapides, pardon. C'est pas du tout les plus. Les plus longs, pardon. Mais LDLC tout de même qui est un peu plus loin. Après, ça veut dire qu'ils tiennent longtemps aussi. Bien entendu, mais Solari qui a cette réputation de oui, la team du late game, etc. Si on lisse les stats sur toute la saison, bah finalement, c'est tout à fait acceptable. Ouais. Clairement, surprenant aussi quand même de voir LDLC premier ici. Du côté de Geo, on le verra par la suite, mais c'est dû à des games qui le mènent et qui sont finalement comeback. Du coup, ça fait durer les parties. Mais ouais, intéressant de voir que LDLC, malgré un bon nombre de défaites, accroche quand même des parties assez longues. On les a vus toujours voilà, essayer de tenir au maximum, proposer de belles games dans la résistance. Donc, combatif, et ils ont besoin, LDLCOL, tout comme Gamers Origin, tout comme Solari. Donc ne pas lâcher des matchs, c'est évidemment leur mojo. Les Dragons, y a-t-il une équipe qui, selon vous, remporte la majorité des Dragons, messieurs? Il y a eu pas mal de games. Assez loin avec la KC, je me souviens de pas mal de games où ils ont récupéré l'âme des Dragons. Mm-hmm. Donc potentiellement KC. Donc des équipes de haut de classement, a priori? Peut-être Misfit doit être haut. C'est logique, le haut de classement. Oui. On gagne, on a les Drakes. Bah, regardons ça, justement. Carmine, et ouais. le raisonnement est infaillible, je pense. Alors, pas forcément totalement, puisque les Game Awards viennent tout de même se glisser ici, mais ils sont dans une tendance extrêmement positive. Mais effectivement, des équipes qui ont l'habitude de remporter leur match, qui arrivent à sécuriser la majeure partie des Drakes de leur game. Bon, personne n'est véritablement étonné. Mais tout de même, on voit quand même une petite différence de playstyle du côté de Carmine et BDS qui sont égalités actuellement en victoire. On voit que Carmine joue beaucoup plus autour des Drakes, peut-être que BDS joue un peu plus autour des héros de la faille. Moins de héros de la faille, absolument, absolument. C'est exactement la conclusion qu'il faut en tirer. Dégâts par minute individuels, me semble-t-il. On regarde ça tout de suite. Dégâts par minute, on sait qui regardait. C'est Solari, les amis. De Kari, qui se retrouve dans ce top 3. Exico aussi. Ouais, c'est dingue. Du côté de Solari, c'est vraiment le. C'est avoir bon. Autant de dégâts sur des games aussi longues, c'est là qu'on reconnaît vraiment les Kari scaling qu'ils ont beaucoup aimé jouer. Du côté de Scarlett, on a eu. Du Corki, du Kassadin, il n'a pas hésité à nous sortir ça, même du Vel'Koz. Et du côté de Chico, c'est un DPM très élevé parce que les games sont plus rapides du côté de BDS. Et c'est là qu'on voit vraiment le mid-jungle qui envoie mid-early game. On ne s'arrête pas, on a du tempo, on a de quoi enchaîner les parties de leur côté. Assez logique finalement, ces DPM. Et voilà qui va intimider les adversaires de Solari pour les matchs restants dans cette course, bien entendu, au slot de play-off. Gold différence avantage de gold comme vous le voulez, deux assets qui sont dédiés à ce sujet et on commence directement avec le format individuel par rapport au match-up direct bien sûr. Écoutez, le mid jungle, on en parlait, il est toujours là. C'est logique, hein. Je pense que c'est vraiment le mid jungle qui a fait la plus forte impression en termes d'early game, surtout au début de la saison. Ils ont pris pas mal d'avance en termes de statistiques avec le fameux combo Nidalee Jayce qui maintenant ne sera plus jamais open je pense pour BDS. Et du côté de Smiley, tout de même surpris qu'il monte aussi haut et qu'il monte aussi haut si rapidement. Pourquoi pas? Ça veut dire quand même sa phase de lane avec Huslin est toujours assez dominante. Ouais, hier notamment, il y avait des délires de swap lane, etc. Mais quoi qu'il arrive, voilà, Smiley Huslin Beast, toujours aussi imperturbable. On rappelle que Smiley est le MVP de la saison d'été 2020 au sein de la Ligue française de League of Legends. Passons au team maintenant sur le même sujet.
Est-ce qu'on a une corrélation avec les individualités que nous venons de voir? Bah oui, forcément. voilà, on n'a pas inventé l'eau chaude. Team BDS qui est généralement devant, extrêmement devant. Vitality B, bah, on se pose encore des questions pour les playoffs. Il y a des games qui ne sont pas forcément gagnés. Mais en tout cas, à 15 minutes, bah, ils sont devant, messieurs. Ouais, surprenant de voir Vitality deuxième ici, malgré les dernières parties un peu compliquées qu'ils ont eues. C'est que dans la victoire, ils ont été très convaincants dans les... C'était week 3, 4, 5 du côté de Vitality. Ça faisait des games minutieuses, hard snowball, très très clean en early game. Et Géo, on va en reparler un petit peu, mais c'est très difficile. On va expliquer ça après, mais... Absolument. Gamers Origin, qui a un profil tout particulier dans cette LFL, et le fait qu'il soit devant à 15 minutes ne veut pas dire qu'il ne se passe pas des choses derrière. Et c'est justement, comme l'a dit Marex, le sujet de la fin de ce pré-show. Bon, notre groupe de capo préféré, KDA, maintenant, qui lead? Comment tu as pu faire ça pour le KDA? C'est une honte. Bon, allez, le KDA, ma blague n'a pas marché. Non, envoyez le KDA. Elle a marché, j'ai rigolé quand même, donc ça va. Driplex, bon, il a un peu descendu, Driplex. Hier, il était à plus de 10. Ouais, toujours dans le top. Bah, ce qui est assez impressionnant, c'est le fait qu'il soit premier avec le nombre de défaites quand même que Vitality accuse. Ils sont à 8-6, quelque chose comme ça. Sachant qu'à côté, on a vraiment les équipes du top qui, avec des joueurs ultra constants qui sont à 7-6. C'est vraiment une stat qui se démarque. Parce que si Diplex avait fait la même performance avec autant de victoires que K-Corp, BDS, il aurait peut-être maintenu, sans exagérer, son 15-20 qu'il avait au début de saison. Donc, assez impressionnant quand même. Ça donne envie d'avoir un duel Driplex, enfin Diplex, pardon. On l'appelle Driplex tout le temps maintenant. Oui, je pense que c'est. Je pense que lui va être OK, à mon avis. C'est un upgrade de pseudo. C'est comme Tréton et Étron. Voilà, c'est quelque chose qui est mieux à l'oreille. Tu acceptes, évidemment, tu n'as pas d'autre choix. Allez, parlons des deux affiches les plus importantes, celles qu'on vous a sélectionnées pour aujourd'hui, celles qui ont le plus de portée en termes de course au classement. Et on commence par Misfits contre GameWard. Ce sera le deuxième match de la soirée. Petit comparatif statistique entre ces deux teams qui ont connu la victoire hier soir, messieurs. GameWard a été extrêmement convaincant, plus que Misfits, selon vous? Par les plays, oui. J'ai trouvé que c'était plus dynamique en termes de... Pour comeback, ils ont osé faire des choses et tu sens qu'ils osent aller vraiment de l'avant. Par contre, Misfits, en termes de vision, en termes de macro-game, ils ont remis les choses en place, ils ont beaucoup mieux joué, ils ont mieux joué sur la carte. Mais ça manquait un petit peu de combat sur des timings où ils étaient beaucoup devant. Ils avaient deux kagoles d'avance qui n'ont pas snowball avant beaucoup de temps. Ils ont juste attendu les teamfights et Baron Nashor. Sur ça, c'est le petit bémol. Là, au Game War, je pense qu'il est capable d'accélérer un peu plus rapidement. Pour revenir sur ce qu'a dit Tréton du côté de Misfits, je suis assez surpris que niveau Herald des Dragons, on se stabilise sur une moyenne à 50%, alors que au niveau des individualités, du calibre des joueurs, on s'attendait à quand même quelque chose de plus lourd par rapport à la ligue, mais bon, il y a eu quelques semaines un peu bavure. Et du côté de GameWard, moi, je maintiens un petit peu ce que j'avais dit les semaines passées. Il y a eu une petite glissade de la part de GameWard, c'était la semaine dernière, je pense, une game mais ça arrive de manquer une game. Mais sinon, encore hier, ils ont vraiment reconfirmé. On voit encore une fois qu'au niveau du pool de champions, on a tout ce qu'on veut du côté mid-AD. On a sorti Ryze Jhin, qu'on n'avait pas encore vraiment joué jusqu'à maintenant du côté de GameWard. Donc moi, je les trouve vraiment, vraiment brillants et je trouve qu'ils font que monter en puissance. Donc let's go. Superbe fan. Bah, écoute, on va aller un petit peu plus loin en regardant un petit peu les profils des équipes, notamment en termes de répartition de dégâts effectués et dégâts reçus. On peut voir ici que finalement, on a des profils relativement similaires. On est un petit peu au-dessus tout de même au niveau des au niveau de la mid lane côté GameWard. Non, ce dont je veux parler, surtout Irrelevant, parce qu'on parle beaucoup de Tukui. Évidemment, Tukui est très très bon, pareil pour Sapphus, mais Irrelevant fait un gros taf sur sa top lane en permanence. Pour moi, il fait vraiment de très bonnes games. Hier, il s'est un petit peu raté. Oui. Il a pas fait sa meilleure partie. Mais le Renekton il y a deux semaines il était vraiment très très bon, et même globalement dans les dernières semaines, c'est un joueur qui joue très bien et qui a son importance du côté de GameWard, et on peut le voir en termes de dégâts. Carrément, s'il n'était pas là, effectivement, on aurait un certain déséquilibre. Mais regardons les dégâts reçus de l'autre côté, parce que faire des damages, c'est bien beau, mais les frontliners, on leur rend jamais hommage, Marex. Ouais, moi je trouve que c'est très intéressant pour revenir un petit peu au graphe d'avant, où Lulex a moins de dégâts infligés, mais beaucoup plus au niveau des carries, mais qu'il a quand même beaucoup de dégâts subis. Ça montre vraiment qu'on va vraiment utiliser ce jungler plus de manière peut-être utilitaire du côté de GameWard, même si on joue des carries du côté de Lulex. Et je trouve ça bien fait et intelligent. On le voit en permanence en première ligne, Lulex. Ouais. Hein. Surtout avec la nouvelle jungle qui va rendre le jungle peut-être un peu plus utilitaire en draft, plus de scarner, etc. Et du côté de Misfits, on a des stats un peu plus classiques au niveau des damage taken. Mais tout de même, le top laner, ça c'est souvent un petit peu dû à ce qu'on décide de draft en top lane.
qui va tanker un peu plus. Mais je suis quand même surpris, parce qu'Agressivo est plutôt un joueur qui va pas hésiter à sortir de la Camille, etc. Donc assez surpris quand même du damage taken. On est d'accord, Agressivo qui voilà, a un profil finalement très complet. On en parlait hier au niveau du pré-show. Pardon. On passe maintenant à la mid lane, parce que également ce match, c'est l'affrontement, un affrontement incroyable. Enfin, pardon. Pourquoi Gamers Origin Game World ? Ah pardon, c'était pour comparer les deux générations de midlaners. Et j'ai déjà un midlaner qui, en vrai, déjà en France, on a pas mal de midlaners, oui, qui sont plutôt chauds. Il y en a certains qui sont maintenant montés en LEC. Si on peut citer même les Belges qui sont dedans, on va dire qu'ils comptent, je pense. Et c'est vrai que Pac fait quand même une très bonne rentrée, je pense, en LFL pour son premier split. Absolument. Il joue vraiment plus que correctement. Il a un bon pool de champions et il s'en sort plutôt bien. Maintenant, en face, tout couille, actuellement, il surnage. C'est justement pour nous donner un petit peu le tremplin sur l'autre match sur lequel on veut faire le focus, Gamers Origin contre Solari. Il nous semblait très important de parler de cette génération de midlaner, Gamers Origin x2, parce que tout coup, évidemment, c'est quand même une grosse paire de chaussures dans laquelle entrer. Et Pac, honnêtement, il a accompli sa mission, donc ça nous semblait important d'aborder ce sujet-là. Pensez-vous, enfin, dans un cas rocambolesque, on va en parler un petit peu plus tard, mais ne pas accrocher les playoffs pour Gamers Origin, est-ce que ce serait un résultat, on va dire, dommageable pour la très très bonne performance de Pac? Bah, c'est surtout au niveau de, oui, pour toute l'équipe avec le start qu'ils ont fait, c'était pas forcément l'équipe qu'on imaginait derrière. On a été très surpris en effet par Pac, comme vous l'avez dit. Franchement, pour un premier split en LFL, il a été super constant. Il a tenu tout le monde en lane. C'est plus au niveau de l'équipe qu'on a du mal à concrétiser, mais franchement, Pac, pour une première LFL, il est dans la, je dirais même dans la première moitié finalement des midlaners, et dans cette ligue, c'est vraiment pas facile de l'être. De mon point de vue, bah déjà fier membre de la TTA. Dans la TTA actuellement, il y a que des joueurs LEC sauf Pac, et pour moi, dans un an, deux ans, il a vraiment le potentiel d'y être lui aussi. Bah, on espère que peu importe ce qui se passe lors de cette saison régulière, il n'y aura pas d'écart ou de baisse de motivation. On vous parlait de Gamers Origin, on continue sur le sujet avec l'affiche qu'ils ont aujourd'hui contre Solari. Ces deux équipes, on vous le répète, on vous le rabâche quasiment. Eh bien, n'ont qu'une seule chose en tête, voir un petit peu qui trébuche dans le top 5 et lui shipper sa place. Et ça va être très intéressant ce match, parce qu'en particulier, on voit déjà avec la Gold Diff à 15, effectivement, Gamers Origin, si on prend la game en globalité, ils sont censés se retrouver devant en early game. Par contre, ils vont devoir combattre leur grande malédiction, c'est-à-dire qu'ils vont devoir terminer la game assez rapidement, parce que s'ils vont trop loin dans la partie avec le scaling que Solari prend en général et les teamfights qu'ils font, ça peut être beaucoup plus compliqué. Donc tout l'enjeu pour Gamers Origin, c'est d'être clean en mid-game, si on prend la base globale. Et de conclure, Marex, parce que les comebacks, on en parlait et on va vous l'afficher. C'est quelque chose qu'on connaît bien cette saison chez Gamers Origin. Bon, Solari n'est pas exempt non plus, puisque voilà, en termes de nombre de défaites avec Gold Diff à 25 minutes, tout de même supérieur ou égal à 1000. 4 défaites pour Gamers Origin, une seule pour Solari. On va aller voir ça un peu plus en détail maintenant pour que vous ayez véritablement les exemples en tête. Mais voilà, tous les tweets qu'on peut voir de Coach Glopo, ils sont fondés, mine de rien. Et quand on voit justement la situation, notamment le match Game Ward, c'est dur un petit peu. Ouais, clairement, il n'y en a qu'une pour Solari et on peut dire que c'est un petit peu l'effet classico. C'était la même chose pour la K-Corp lorsqu'ils ont perdu. Il y a 1-1 dans le classico jusqu'à maintenant. Mais du côté de Geo, je pense que cette game contre les Game Ward a dû leur faire assez mal. Perdre une game avec 7000 gold d'avance à ce niveau de compétition, c'est quelque chose qu'on voit vraiment très rarement. Et derrière, on n'arrive pas à se sortir de là. C'est un peu un cercle vicieux qui ne s'arrête pas et c'est dur. Il faut absolument que ça s'arrête ce soir du côté de Gamers Origin, sinon ça va être très compliqué pour les playoffs. Sans tous ces comebacks pour Gamers Origin, on aurait une discussion totalement autre par rapport à leur position en playoffs. Il y a cinq games qui ont été remontés avec avantage en gold. Bien sûr, il y a d'autres éléments à prendre en considération, les drafts, les scaling, ce genre de choses. Donc voilà, tout n'est pas à mettre sur des erreurs humaines, mais il y en a eu. Il y a aussi eu des pièges, il y a aussi eu des étourderies à proprement parler, des smites loupés. Enfin, tous les scénarios les plus rocambolesques, on a l'impression, ont affecté les Gamers Origin. Comment on le vit ? C'est un peu étonnant parce que c'est quand même une équipe qui a beaucoup de vétérans, hormis Pac. C'est des joueurs qui jouent depuis très longtemps. Et il y a peut-être aussi ce côté où il y a plusieurs personnes qui font des calls ou qui ont une certaine vision de comment jouer la partie. Je pense que Pac est un des rookies qui comprend bien le jeu et qui a un gros point de vue sur la macro, donc il doit avoir une voix dans l'équipe. Kirei doit avoir une voix. Inax peut en avoir aussi. Binsou joue depuis très longtemps. Nux, il est passé en LEC, donc techniquement, lui aussi peut avoir une grosse voix. Et si on se met pas sur la même page, bah en mid-game, au final, on finit par ne faire plus grand-chose. On finit par ne pas être décisif et du coup, on perd des games.
Ouais, en plus, ce qui est triste, et parce que le moins intuitif dans League of Legends, c'est vraiment de réussir à faire de bons early games en fonction de sa draft, etc. Je sais qu'avec un joueur comme Kirei, bah, c'est quelque chose qu'ils arrivent à faire parfaitement. C'est l'une des équipes qui le fait le mieux dans la Ligue, c'est ce qu'il y a de plus dur sans doute à faire de manière consistante sur League of Legends ATM. Et malgré ça, on est dans la moitié de tableau inférieure, donc c'est vraiment c'est dur parce que c'est peut-être l'une des meilleures équipes en early actuellement, quoi. Le du e-sport, c'est cruel, particulièrement sur League of Legends. Tu parlais du Binsou tout à l'heure et c'est un des joueurs dont on a très très peu parlé au sein de l'effectif Gamers Origin. On vous parlait de PAC, bien entendu, on vous parlait de tous les autres postes, mais Binsou est notamment un pick signature de sa propre confection, qu'on apprécie évidemment sur ce desk. Rumble, petit 2R, bon DPM, bon gold et XP différence à 15 minutes. Enfin, un atout. Est-ce que c'est pas l'heure de ressortir les atouts? Est-ce que c'est pas l'heure justement d'attaquer avec quelqu'un qui a offert deux victoires extrêmement confortables dans un enchaînement de parties qui, pour le coup, semblait montrer que le destin s'acharnait un peu? Pour moi, c'est de la draft le permet, c'est l'objectif pour Gamers Origin de donner peut-être un petit peu plus de pouvoir à Binsou. Hier, ils ont donné le pouvoir à la botlane avec Caitlyn Morgana, ils ont fait le travail en lane, mais après en mid-game, ça s'est un petit peu effondré. Donc je pense qu'il faudrait peut-être plus faire confiance à PAC, à Binsou, pour aller chercher des victoires, parce qu'à chaque fois qu'il y avait ce Rumble, il y avait aussi un Azir qui était joué sur la mid-lane, ça marchait très bien en combo. Et techniquement, en termes de pseudo, t'as quand même PAC, Binsou, plus Kirei qui est capable de faire des très bons gangs. Top mid-jungle, normalement, t'es voilà, bien. Voilà, c'est ça. Et je pense que essayer d'appuyer encore plus là-dessus et de snowball là-dessus, pourquoi pas pour Géo. Et on n'a même pas parlé de la botlane qui, elle aussi, bien sûr, vient d'une autre ligue, littéralement. Oui. Ouais, clairement, pour sortir du cercle vicieux un petit peu, vraiment casser un petit peu la dynamique et se baser sur d'autres lanes, sur des picks signatures ou quoi que ce soit, pour changer un peu la physionomie des games, ça peut être une bonne chose. Parce que là, on voit que Géo, ils sont très bons, mais même en étant très bons en early game, ça ne marche pas. Donc il faut vraiment modifier un peu les parties. Utiliser ce qui a marché dans le passé et ça peut le faire. Ce qu'ils ont fait hier, on a vu la Thalia notamment de Kirei, donc retour sur les zones de confort. Voilà pour les focus de nos deux affiches, donc on vous rappelle Misfits Game World et Gamers Origin contre Solari. On va maintenant vous refaire une petite figure de rappel au niveau des MVP. On en a parlé un petit peu hier, mais on va vous montrer le classement finalement, et c'est ça qui vous intéresse avec les Puntos. Et puis bon, hier, Tukuy a récupéré ce petit MVP qui lui a permis de se hisser en tête du classement à peine un titre. Il vient de Bloodsworn, Chico. Pas mal de mid lane, mid jungle dans le top, des carries, des ADC. Je sais pas qui sont les votants, mais ils aiment pas les top laners et les supports. Ah, je pense qu'en support, il y a quand même, il y a notamment Steelback, qui doit avoir quelques points aussi, qui doit pas être si loin. Mais après, il est vrai que dans les games que l'on a en LFL qui sont assez rocambolesques, c'est dur de prendre des MVP pour des supports, là où les midliners font des plays de fou. Bien sûr. Et le seul problème, c'est que du coup, Tukuy est premier, donc Carnage est bien trop heureux, et ça, c'est forcément un problème. C'est ce qu'il me disait dans l'oreillette à cet instant précis, il me disait... Il a écrit là. Voilà, la Carnage Corporation en tête des MVP avec Tukuy. Qu'as-tu à dire? Un terme injurieux, traitons. Écoute, moi je... Pardon, un terme très injurieux. La TTA possède Hans, qui est actuellement premier du LEC, donc premier d'Europe. Ouh, oh, d'accord, très bien. Oula, j'entends des choses absolument incroyables. Avançons, les amis, mesdames et messieurs, avançons vers l'agenda de la journée, si je ne me trompe pas. Qu'avez-vous au menu de cette soirée de LFL? Vous avez forcément deux matchs, hein, déjà, puisqu'on a fait un focus. Et on va ouvrir la soirée avec VitalityB contre EasyDream. L'affiche dont on vous parlait tout à l'heure entre Misfits et GameWard. La Carmine qui fait face à LDLCOL ce soir. On s'arrête une seconde sur cette affiche? Tu t'arrêteras sur cette affiche quand tu auras les pronos affichés, ça je peux te l'assurer. Très bien, très bien. Bah écoute, on va aller voir ça. Gamers Origin, Solari, BDS, MCES. On a pas mal de matchs de haut contre bas de classement, particulièrement pour les deux leaders. Les deux leaders, voilà, Carmine et BDS, qui ont a priori des matchs faciles, ce qui validerait à 2000% évidemment la place en play-off. Juste la question que je me pose, c'est des upsets? Des choses qui pourraient se passer? Moi, je sens qu'il va y en avoir aujourd'hui. Ouais. Et pour parler un petit peu du lock play-off, moi, le match que je trouve vraiment intéressant, c'est GameWard Misfits. Parce que je pense que si d'un côté on arrive à récupérer la victoire, déjà niveau points, on est quasiment play-off assuré, mais surtout qu'en ayant battu une équipe de ce calibre, en ayant pris un point, on pourra vraiment se sentir serein avant la Super Week et se dire que c'est quasiment fait, on est chaud, on a des points. Donc assez intéressant, je pense que au niveau de Misfits GameWard, l'équipe qui gagnera le match réussira à 100% à ce lock play-off, même si c'est à moitié fait pour les équipes, c'est là qu'il faut valider. Et au niveau des upsets, il peut y en avoir.
On a du tout pour le tout à tenter du côté de certaines équipes. Moi, le Easy Dream Vitality TV, honnêtement, je suis du côté des abeilles. J'ai peur. J'ai peur pour ce match. La tendance est très négative. Hein. Pour Easy Dream, bien entendu, on enchaîne pas mal de défaites. Mais malgré tout, il y a une petite angoisse qui te dit que voilà, le scénario, c'est peut-être pour ta pomme. On parle beaucoup des playoffs, mesdames et messieurs, mais savez-vous seulement exactement de quoi il s'agit? On vous a prévu une petite asset pour vous rappeler le format. Un format de type gauntlet, gantelet en français évidemment. Donc un King of the Hill, roi de la colline, puisque vous le voyez ici, le résultat en saison régulière vous place à un endroit différent sur cet arbre de play-off. Le premier de saison régulière qui sera directement en finale, le second en demi, le troisième en avant la demi, et le quatrième, cinquième qui sera le match d'ouverture. Et après, chaque gagnant monte, affronte le prochain adversaire, etc. C'est pour cela que nous nous tuons à vous répéter que la saison régulière est monstrueusement importante, puisqu'actuellement, entre la première et la cinquième place, il y a deux matchs. Et que deux matchs de différents en saison régulière, c'est, bon, c'est 4 BO en moins joué. Clairement, c'est dingue parce que ça enfin, joue 3. Énormément. Entre, comme tu l'as dit, quatrième, déjà 4e et 3e place, il y a un BO5 en moins à jouer. Et en plus, au niveau des ambitions et des rêves des joueurs, on veut s'illustrer en EU Masters. Et normalement, le top 1 et top 2 de saison régulière sont directement qualifiés, tandis qu'il devrait y avoir 3 places. C'est ça. Du coup, vu qu'ils sont dans le top 3, s'ils gagnent. En gros, pour expliquer ce qui se passe en EU Masters, on envoie 3 équipes. On envoie 2 directement dans les groupes de EU Masters. Et la 3e, après les playoffs, elle est envoyée en play-in de EU Masters. Oui, il faut se qualifier pour accéder au main stage, comme mais le MSI, exactement. Comme les Worlds. Donc quand tu es premier, c'est sûr EU Masters 100%. Quand tu es second, même si tu perds ton BO5, tu as une chance d'y accéder. Et normalement, dans ce genre de gauntlet, les équipes LFL sont censées être favorites, sauf quand je joue et que je perds du coup ce gauntlet. Évidemment, mais tu n'es pas là et tu es de l'autre côté, donc on devrait pouvoir pas mal s'en sortir. Mais voilà, prenez bien en considération le fait que le classement en saison régulière offre bien évidemment ces EU Masters, mais également eh bien, beaucoup de légèreté au planning des playoffs, avec nécessairement moins de best of 5 à jouer. Je n'ai pas précisé que tous les matchs étaient en best of 5 également. Ouais, tout est en BO5, super d'ailleurs que le meilleur gagne. Et aussi, bah, quand on est dans le top, forcément, on a le temps de voir ce que les autres équipes vont devoir jouer. Exactement. En BO5, sachant qu'elles sont obligées de tout dévoiler et ne pas prendre de risques. Du coup, un petit avantage en plus. Un avantage colossal. On a simplement, voilà, c'est le format de l'ancienne Ligue coréenne qui a cette année, sous le système franchisé, changé son format pour se rapprocher du système du LEC. Mais auparavant, c'était ce fameux format de Gauntlet qu'on a un peu amélioré puisque le match d'intro était en BO3. Et ça, c'est scandaleux. On est bien d'accord, pas assez de matchs hein, pour séparer des équipes. Bon, nous, on n'a pas de play-off, mais on fait quand même des pronos. On est quand même en compétition. J'ai tenté ça me choses. Fait plaisir de vous proposer cet asset, car je suis au sommet avec mon très cher ami Chipsou. Je n'arrive plus tellement à voir la compétition. Personne pourrait Twitter, peut-être. Personne n'a tenté le easy. Sérieusement, j'ai fortement hésité. Bon, on a tenté le LTLSOL. J'aime bien me faire un sondage sur Twitter, donc pourquoi pas. Et en vrai de vrai, ils ont gagné hier, c'est peut-être maintenant. C'est peut-être maintenant. Alors forcément, on vous le disait, des affiches qui ne laissent pas beaucoup de place à l'ambiguïté, à part les deux sur lesquels on a fait le focus. Marex, normalement, c'est autoroute ce soir. Autoroute. On a mis la même chose, ce soir, c'est autoroute. Bah, c'est complètement autoroute. Alors, je me suis quand même réservé le droit de... Ah non, on a changé Geo Solari, voilà. Justement, ouais, j'ai fait mes pronoms en dernier, voilà, j'ai Slack et compagnie. Et je me suis dit, voilà, esprit de contradiction, je voulais savoir si ce soir, voilà, je voulais qu'il n'y ait qu'un seul gagnant. En fait, j'ai changé premier, un truc avec Chips. J'ai vu Chips premier et j'ai comparé avec Chips, c'est pour ça, autant pour moi. Ah, très bien, très bien, très bien. Bah écoute, voilà, j'ai tenté ma chance sur Geo contre rien. Solari contre Chips. Donc voilà, Solari Gamers Origin, mon cher Glopo. Déconne pas, ce serait assez relou d'avoir Fabien Mulet en tête des pronos. Je tiens à dire que les premiers actuellement en termes de classement de pronostics tentent beaucoup trop peu de choses. C'est honteux. Bah oui, c'est honteux. Ouais, c'est absolument manque honteux. De couilles flagrant. Mais de toute manière, tout ça va changer au niveau des playoffs. N'ayez absolument aucune crainte. Voilà pour notre pré-show. On espère que vous avez passé un moment et que vous êtes prêts à déguster en notre compagnie la seconde journée de la 7e semaine de LFL pour seulement le printemps. Hein, bien sûr, vous inquiétez pas, on a encore beaucoup, beaucoup à vous proposer. On va ouvrir les matchs et le premier match qui nous attend dans quelques minutes sur OTP, c'est Vitality Big contre Easy Dream. À tout de suite.
Ce n'était pas bien long, nous sommes déjà de retour sur OTP bien sûr. La soirée de LFL, seconde de la 7ème semaine, est maintenant officiellement lancée. Et pour la lancer en bonne et due forme, on accueille à nouveau Rovalas, le plus swaggy que jamais sur notre plateau. Tu seras avec nous ce soir. Du coup, notre petite commande de catering a changé, je suis ravi de t'accueillir. Ben merci Twix, encore une soirée avec Tréton et Marex. Oui, et ça les commence, deux. Et ça comment. Et Carnage, bon enfin ça va être dur à tanker, mais bon on va. Je te souhaite le courage. Hein. S'il y a le moindre problème, n'hésite pas à m'en parler directement. On aura également Gardoum ce soir qui sera avec Marex pour vous commenter le premier match. VitalityB contre EasyDream, la draft qui devrait se lancer dans quelques instants. Robalas, tu as observé le pré-show avec nous, etc. etc. Tout de même. Comment tu la sens un petit peu cette course au play-off? C'est quoi un petit peu ton retour sur les destins de Gamers Origin et de Solary tout particulièrement? Gamers Origin, c'est un petit peu compliqué parce que dernièrement c'est potentiellement l'équipe dans les titres, on va dire dans les favoris, qui montre le visage peut-être le plus faible ou qui a le plus de mal, là où Solary sont plus sur une bonne dynamique. Après bon, ils ont tous les deux des matchs un petit peu compliqué ce soir. De toute façon, globalement, il reste 4 matchs du coup avec les 3 matchs de la semaine prochaine. C'est ça. Ouais. Tous les matchs vont compter. Et ton bro qui raye pourrait ne pas clinch justement ces fameux playoffs. Est-ce que tu as vu cette petite statistique de comeback spécialement dédiée aux Gamers Origin? Ouais. Une petite réaction. C'est un moment difficile. Voilà, tu es un des grands artisans du ladder. Quand on subit ce genre de... Allez, accepte. Quand tu subis ce genre de défaite, à quel point... Parlez-nous de la difficulté de subir les comebacks. Déjà, je veux savoir s'il est tchal ou pas. Non, je ne suis pas tchal. Du coup, la difficulté des comebacks. J'ai dit un des artisans. Je n'ai pas dit l'artisan. En fait, je pense que... Comme l'avaient dit plusieurs joueurs en interview, et surtout, je pense à une interview de Pac, ils disaient qu'ils devaient pas mal travailler sur pas mal de points et tout. Et on a un peu l'impression qu'ils ont peut-être du mal à trouver les clés ou à fermer toutes les opportunités pour que l'équipe en face ne revienne pas. Et du coup, ils ont laissé filer peut-être des games qu'ils vont regretter, mais ils peuvent encore le faire. Donc je pense que s'ils se focusent bien sur les 4 games, ils ont quand même montré certaines grosses games. Et du coup, on verra un peu plus tard dans la soirée, mais je pense qu'ils ont quand même leur chance de... On le verra plus tard dans la soirée. Ce sera le 4e match contre les Solary, extrêmement important. On est parti dans cette draft EasyDream contre VitalityB. Bien sûr, une game d'une importance capitale pour les Vitality. Et EasyDream qui pourrait embêter son monde. Tout à fait. Et simplement finir la saison régulière sur une bonne note. On précise que c'est toujours Vince et non Bando, bien sûr. C'est pas russe. Oui, Ben Varus, on l'avait pas mal hier, et justement, c'est un petit peu la surprise quand même de le voir aussitôt en ban. Du coup, c'est VitalityB, c'est quand même quelque chose qui est assez surprenant. Maintenant, contre Sylam, pourquoi pas, il a dû beaucoup le train. Quand tu piques Kai'Sa, Varus, je pense, peut t'embêter un petit peu en face de lane. Et quand tu as Kai'Sa à l'Istar, tu vas absolument en adresser si possible qu'il y a peu de range pour pouvoir aller le choper. Et d'ailleurs, le first pick de la REL, on le voit de plus en plus, sachant qu'en plus, Huslin sur Thresh, c'est pas forcément une référence en termes de counter pick. Ça marche pas très bien. Ouais, c'est vrai, on a vu une game un petit peu délicate pour son petit Thresh. On a un Ezreal, on a un Ryze, on a une REL. Draft qui se passe bien. Et Sylam, c'est un pic de confort pour lui, le Ezreal. Il est très très bon dessus. Blind pick Ryze, donc on copie un petit peu ce qui marche chez la K-Corp potentiellement. Ah ouais, Blind pick Ryze, je suis surpris que ça marche autant dans les games. Hein. Parce que. Je sais pas, je crois qu'hier ils se sont tentés sur une Cassiopeia. Oui, tout à fait. Oui. Mais. MCBS. Oh! 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 J'ai parlé avec Diplex en DM. C'est vrai. Alors, je lui ai tout donné. Il a toutes les informations. Ça veut dire que tu vas scruter dans le moindre détail et qu'on aura un débrief complet juste après le match. Il va falloir débrief. Est-ce que tu lui as donné des vrais conseils ou tu la prankes? Non, je lui ai donné des vrais conseils. Après, c'était quand j'avais fait, quand il avait joué sa première game de Vel'Koz. Après, Vel'Koz contre Ryze, le Ryze peut rien faire. À part en side plus tard dans la partie, si Diplex est bon, il peut le solo kill en lane toute la game. Solo kill game ? En fait, vu que maintenant t'as plus ce système de faire un Roa et faire des HP. Et Vel'Koz, la résistance magique, la verdante barrière contre Vel'Koz, tu fais 70, peut-être 80% de dégâts bruts sur le full combo. Du coup, la résistance magique te sert pas. Et il faut faire des HP, mais tu fais quoi en HP sur Ryze ? Il y a le Everfrost, mais. Ouais, voilà, t'en as un peu quoi. Mais c'est tu forces pas forcément Everfrost, tu vois. Tu vas d'abord faire ton chapter, t'as une tir, t'es là avec 1000 HP, Vel'Koz, tu touches un combo, t'es mort. Ça a l'air un peu broken ce champion. Nous avons Ekarim, nous avons Jace. On se concentre sur le top jungle bien sûr.
les deux postes qui ne sont pas draft au sein des deux équipes actuellement. Oui, puis il y a Banyan Jace de Raven, avec lequel il a déjà fait une ou même deux très bonnes performances. Je crois en NFL, il a été vraiment excellent sur le champion. Il disait que de base, il le jouait beaucoup et que selon lui, ça avait un bon scaling en plus de ça. Et c'est vrai que dans la draft de Vitality B, si tu dois jouer contre Vel'Koz plus Jace, pour Isdream, c'est un petit peu compliqué. On notera aussi le Ezreal de Sylam qui est quand même très très bon et qui est réputé. Ouais, moi, je l'aime bien son Ezreal. Je m'en souviens très bien sur l'année 2020. Il avait fait des games scandaleuses avec je ne sais combien de kills. 22, 23, un truc du genre. C'est un truc de fou. Donc voilà, on est très impatients de revoir ça. Mais il va falloir certainement payer la taxe de la QSS. Et là, forcément, on est un petit peu dans la sauce. À quel point ça peut être embêtant, pensez-vous, messieurs, sur Ezreal et Ryze? Sur Ezreal, c'est OK, je pense. Après, il va le faire ou pas sur Ezreal, d'ailleurs? Il va le faire en troisième. Après Essence, River, Draktar, il peut faire une QSS. Par contre, sur Ryze... Tu dois faire une QSS en plus, mais Ryze, il a pas de game. Hein. C'est trop relou. En plus, la QSS, tu lui as dit, elle sert à rien contre Vel'Koz. Ouais, mais quand même, il y a quand même pas mal d'AP, même si Vel'Koz a des dégâts bruts sur Kai'Sa, sur Skarner, il y en a un petit peu, pourquoi pas. Mais au-delà de ça, je pense que Ryze est quand même un très bon pick contre Skarner, parce que dès qu'il va te courir dessus, s'il n'a pas de flash, tu fais EZ et c'est un peu outplay, quoi. Enfin, il y a quand même un Shame Tank et une plaque du mort. Hein. Oui, mais bon, hein. L'autre, il a un phase rush, un gel éternel et il court vite aussi, quoi. Non, mais. Écoute, on verra en game si Backlund a la flexibilité. Qui du support ou du mid laner a raison, on le saura bien assez vite. On a un Jarvan Jungle pour Viking. Jarvan c'est pas mal, tu peux l'enfermer dans l'arène, le Skarner. Je pense que Jarvan c'est un bon pick. Après, du coup là ils ont le counter au top. Est-ce qu'il y a vraiment un pick qui gêne tant que ça, Gragas? Y a pas le Aatrox ou quelque chose comme ça? Il peut y avoir un Aatrox. Après on sait que maintenant les Gragas commencent à jouer AP contre Aatrox pour gagner plus ou moins le match-up. À voir ce qu'on va faire du côté de Bando et du côté de Draven, normal. Ce sera le Aatrox. C'est pas Bando, c'est Vince. Hein. C'est vraiment Vince qui joue. C'est pas Bando. Hein. Ah oui, c'est Vince, ça a été annoncé sur les réseaux. Hier au passage. Vince a joué hier aussi. Il a joué une game hier. Il jouait Sion. Je sais pas, au début. Tu castais hier. Non, mais mon cerveau est. C'est bon, la game va se lancer. Alors, la game, en termes de draft, mon cher Obalas, personnellement, je trouve que VitalityB en a une très très bonne. Modulo la performance de Sylam. On est bien d'accord, c'est vrai que Sylam a un potentiel de 1v9 dans ce match. Alors le match-up botlane en conséquence va être très important, mais j'ai quand même l'impression que, à part si tu as une rel pixel qui va aller interrompre tous les combos... Ah, ça on remake la draft. Il y a vraiment un truc qui se passe? Je crois qu'on va devoir temporiser le remake de la draft. Est-ce qu'on peut avoir des infos, Carnage, mon cher Carnage? Au pire, si tu peux nous faire... Du coup, il ne pourra pas nous faire le bandeau avec la draft en dessous pour qu'on puisse en parler un petit peu. Bah, ce serait bien d'avoir un petit bandeau. Ouais. Si, regarde, c'est parfait. Du coup, on peut en reparler et on peut se dire que Vitality B a une draft qui est extrêmement forte. Pourquoi? Parce qu'ils ont quand même des lanes qui sont censés remporter le push, que ce soit en mid lane, que ce soit en top lane, que ce soit en bot lane. Après, à voir si Skarner peut vraiment prendre l'avantage. En face, il y a quand même un Jarvan, donc je pense pas que le Jarvan va faire grand chose en early game. Il va falloir qu'il tente des ganks sur des lanes qui push, pourquoi pas sur Vel'Koz. J'ai plus la draft, je peux pas en parler enfin. Carnage, c'est après, ça, en vrai, je pense qu'en termes de mémoire, on l'a plus ou moins, non? Oui, c'est fait. Ah, vas-y, fais la draft. Vas-y, fais-la. C'est quoi les picks? Allez, la top lane. Gragas, Aatrox. Attends, mais laisse-moi faire dans. Genre, pour Vitality. Allez, la jungle. Pour Vitality, Jarvan, Skarner. Pour Vitality, c'est Aatrox, Skarner, Vel'Koz, Kai'Sa, Alistar. En face, c'est Rel, Ezreal. Il y a Gragas top, mais il me l'a montré. Il y a Ryze mid et il y a Jarvan jungle. Non, c'est bon. On a tout. Non, mais. Tu as mis du temps. Bah, c'est trop dur à faire. On la revoit ici, bien sûr, dans le flaming horizon de ce bureau d'analyse. Performance clé de la rencontre, tu as parlé de Sylam? Non, Vel'Koz. Et de l'autre côté, il faut bien qu'il y ait une performance possible aussi, non? Non, il faut juste que le Vel'Koz perf. Après, en vrai, la compo est dure pour Vel'Koz. Il y a pas. Enfin, déjà, il est quasiment obligé de faire une. Il va se prendre un cataclysme, il va faire quoi pour Vel'Koz? Enfin. En vrai, c'est pas facile de jouer. Je suis bien d'accord. Il peut stomper la lane. Je vais donner des conseils. Normalement, ça devrait aller. Est-ce que tu peux vraiment stomper la lane contre un Ryze qui. Tu peux. Vel'Koz peut faire des trucs incroyables, mais EQ la wave, qu'est-ce que tu fais contre ça? Bah, s'il a pas de CD, tu le touches un Q, il est mort. Mais vraiment. Il faut toucher un Q. Bah oui, mais c'est. Bah après, si tu fais Ryze. Il ne touche pas de Q, c'est. C'est ridicule. Est-ce que tu max Z ou tu max Q? Est-ce que tu mets quelques points dans le Z pour push au début ou pas? Oh, truton, non. C'est une vraie question. C'est pour les gens. Vel'Koz, tu mets 3 points dans le W et ensuite tu maxes le Q. Et tu as le Q maxé level 10. Très bien. Voilà. Et tu. Bah, en fait, c'est simple. Et donc tu touches, tu slow, après tu mets ton Z en dessous de lui, après tu mets du Q. En fait, si tu touches un Q, tu peux Z, E, R et il est mort. Très bien. Toute la game.
Toute la game. Toute la game. Toute la game. Je suis sérieux, toute la game. Donc Jarvan est embêtant, mais Ezreal aussi c'est très embêtant pour Vel'Koz, non? Alors je crois que Vel'Koz a beaucoup plus de portes, non? Bah en vrai, pas tant que ça. Bah quand même. Non, mais bah, le plus embêtant dans la game, le plus embêtant c'est Rell. Tu peux, en fait tu peux cancel avec le E, mais Rell contre Vel'Koz c'est vraiment horrible. En vrai je pense que contre... Parce qu'ils ont pas vraiment beaucoup Gragas, de... Et Gragas c'est embêtant aussi, tu peux jamais channel ton ult. Bah tu peux faire une Banshee. Ah ouais. Il y a un Rise, faire... C'est un quoi Gragas. Le build à ton avis de Vel'Koz? Les trois premiers items. Cette game. Bah normalement il fait Luden. Ça me met trop bien. Luden, bot peiné, cosmique et horizon focus, et il fait 10-0 et il stompe la game. Écoute, voilà, 10-0, stomp la game pour Driplex avec le build made in Robalas. C'est ce qui vous est vendu. Voyons voir maintenant si ça va être transformé par les Vitality B face aux Easy Dream. On revoit directement avec nos casters pour le début du match. Marek, c'est Gardom, c'est à vous. Merci Twix, merci le gars. Effectivement, du coup, une game ici. Alors, faut noter Easy Dream qui avait remporté le match. Allez, pour le coup, on se souvient, c'était la game avec le Kha'Zix de Viking qui était incroyable. Là, bon, pour Vitality B, en ce moment, ça marche quand même vachement mieux. Et on va directement partir dans la game, Marek. Et on est parti dans cette game avec un enjeu très important pour les Vitality qui doivent se relever. C'est une équipe qu'on imaginait déjà assurer playoff au vu de ce qu'ils ont proposé les premières semaines. Mais là, ce n'est plus le cas. Et du côté d'Easy, on va sûrement jouer sans peur, donc attention. C'est vrai qu'ils n'ont plus grand-chose à perdre, ils en sont les Easy Dream. On espère aussi pour Vince que ça va se passer un petit peu mieux qu'hier. Voilà, quand tu arrives, que tu rentres dans les bottes de bandeau, bah pour le coup, tu as envie d'amener de la victoire, même si c'est un gros client en face, en l'occurrence du côté de Raven. Le match-up top, c'est enterré par un match-up que tu peux vraiment hard win en tant que Gragas. Maintenant, bon, là, il part sur la comète. Est-ce qu'il peut vraiment être une pression? J'ai du mal à réellement y croire. Et ils ont pas mal parlé du match-up mid-lane, hein, notamment avec Robalas qui expliquait les performances potentielles de ce Vel'Koz. Clairement, d'ailleurs, je viens de voir que là-bas, Robalas venait de perdre conscience parce que Vel'Koz a commencé avec une larme de la déesse. Écoute, je pense qu'il quitte le plateau et il a plus qu'à accepter maintenant le destin de Diplex. Ce dernier a peut-être pas vraiment écouté ses conseils. Hein, tu sais, il lui a demandé peut-être par sympathie. Ouais, ouais. Bah, moi je suis assez d'accord sur ce que Robalas a dit. En fait j'étais très content pour la compo Vitality au début. Je me disais, ils ont le Vel'Koz, ils ont la présence de ce Skarner Alistar qui vont toujours pouvoir mettre de la pression et cover. Mais de l'autre côté, du côté d'Easy, on a vraiment répondu avec les meilleurs engages du jeu. On a derrière pris Gragas, Jarvan, et du coup là ça relance un petit peu tout. Ça met le Vel'Koz totalement en danger. Bah ouais. Donc à voir. T'as de l'engage et du disengage au cas où. Niveau passing jungle, pour le moment, hein, c'est un from bot tout up de la part des deux junglers qui pourraient se retrouver sur le haut de la map. Ça ping un petit peu du côté des Vitality B. On le voit en mode, le Jarvan est potentiellement déjà au top. Ça voudrait dire qu'il n'aurait pas fait un full clear. Et c'est vrai que là, Jarvan full clear, c'est un petit peu lent par rapport au jungler actuel. J'entends par là par rapport à tout ce qui est Udyr et Olaf. Ah la Roba, là c'est vraiment outré. On a vu les runes. Après, moi aussi, j'avoue, on a vu un petit Nimbus Cloak, l'arme de la DS. Skin Mecha Vel'Koz, on n'abuse même pas du skin Arclight en compétition. À voir, après peut-être que les mécaniques de Diplex seront au rendez-vous peut-être pour briller dans ce match. On ne sait pas en fait sur Vel'Koz qu'il va y avoir des surprises. Moi c'est ce que j'attends, tu vois. Si Viking l'a pu surprendre une fois avec un Kha'Zix, je me dis que Diplex peut faire une surprise avec un Vel'Koz qui joue de façon inattendue. Au niveau de la jungle, on voit bien la belle avance du côté de Memento qui est déjà en train de faire son head buff. Il ne restera plus que les Krugs après. Il aura même le temps d'aller contester au niveau de ce Carapateur. Par contre, au niveau de la prio top lane, j'arrive pas à voir qu'il y a réellement de l'avance. Je crois que pour Raven, c'est à peu près ok. Et du coup, ça voudrait dire qu'on aurait une prio top side du côté des Vitality B, ce qui permettrait évidemment de débloquer ce carap. Clairement, du côté du Skarner, on est assez rapide avec ces cristaux, notamment dans la jungle, qu'on n'est pas dérangé. Ça donne beaucoup d'attaque speed, ça permet d'être très rapide. Alors que Jarvan en early, c'est un peu compliqué. On va devoir skip le Gromp pour être à temps sur le crabe. Mais peut-être qu'il va réussir à devancer Memento là-dessus et à le récupérer. On voit notamment que Ryze a la priorité mid, donc ça a l'air déjà fait finalement pour Viking. On s'en sort bien malgré le clear un petit peu plus lent. Oui, finalement, il a réussi à bien se débrouiller avec sa mid lane. Hein. Gros travail de Backloon ici qui a du pas mal mana burn évidemment, mais il profite de l'alarme de ADS qu'il stack extrêmement tôt. Et au bot, du côté des Dream, on récupère aussi le Carapateur avec le duo Rell plus S. Donc finalement, c'est un double Carap du côté des Easy, ce qui fait un fast reset maintenant du côté de Memento qui pourra ensuite aller enchaîner avec son deuxième clear de jungle puisqu'on a le repop de Gromp très bientôt. Clairement, on se regarde un petit peu des deux côtés. Hein. On a vu tout à l'heure Smiley au niveau des stats, ça ne rigole pas même si on a un petit peu de mal dernièrement du côté de Vitality. C'est vraiment le carry qu'on va essayer de mettre bien à chaque fois.
Le scaling est clairement présent des deux côtés. On a du Ezreal, du Ryze qu'on peut mettre en side, mais attention, en face on a Kai'Sa, Vel'Koz également avec les nouveaux items, ça scale très fort. Donc beaucoup de range des deux côtés finalement. En général, les carrés qui ont beaucoup de range niveau scaling, ça ne rigole pas. Tu te trouves plutôt bien. Ce qui me fait un petit peu peur en fait, c'est le Skarner du côté de Memento. Parce que Skarner, c'est un pick tout au long qui peuvent hard carry la game et du coup mettre rapidement en difficulté les Easy Dreams. Sachant que si tu vas au niveau de la bot lane, notamment le S est dû rattraper, mais la Rel fait des engages d'ailleurs ici, Rogue. Bon, à quelques dégâts, ça va. Mais une Rel, tu peux peut-être la choper et potentiellement la tuer vu que t'as une Kai'Sa. Une Kai'Sa, on sait que c'est un pick qui a aussi un bon snowball en plus d'un bon scaling. Ouais. On tient le coup du côté de Vitality. On sait qu'Alistar est un petit peu dur en lane. En plus, il y a Rel en face, donc si Rel. Si la Rel est bien huilée mécaniquement, peut vraiment empêcher ce Alistar de jouer. Mais bon, c'est Huslin. Reste très solide sur ce genre de champion. Et pour l'instant, c'est assez miroir des deux côtés. On notera quand même qu'au niveau de la top lane, on a Raven qui arrive à prendre l'avantage petit à petit avec ce counter pick qu'il a décidé de la speak. Oui, donc il doit être en confiance, hein, je pense. Pour l'instant, Memento ici qui vient de faire un reset en fait au niveau de la rivière botside plutôt que partir directement dans la jungle top. Et il a pas non plus investi dans grand chose, donc je trouve ce reset un petit peu surprenant du côté du jungler des Vitality. Mais bon, on a maintenant le trinket rouge. Est-ce qu'il voudrait faire un gang? Parce qu'il va passer niveau 6 après son futur clear, donc on n'y est pas pour tout de suite. Et c'est à partir du moment où il a lampe allemande où ça devient une réelle menace. Notamment, je pense aussi pour la mid lane adverse, hein, du côté de Backlund, bah t'as à peine un flash, mais c'est tout pour le Ryze. Clairement, je suis d'accord avec toi. En plus, on va peut-être essayer d'aller légèrement vite du côté des Vitality. On voit le petit spike lucidité qui, mine de rien, en early comme ça, sans avoir l'avantage, permet quand même d'avoir un petit quelque chose pour accélérer. Alors qu'en face, on a plus pris des stats offensives. Hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer. Et en tout cas, on la joue safe du côté de ce Vel'Koz. Ouais, et du côté de Vince aussi, hein, il est parti avec une larme de la déleste là sur sa top lane. C'est vraiment en mode, je sais que je vais pas gagner à top lane, je dois juste tenir le wave clear le plus longtemps possible. Et du coup, c'est un thème qui est super cost efficient, la larme de la déleste. Ça rappelle un petit peu le charme féerique qu'on avait à une époque sur beaucoup de lanes parce que c'était pas très cher, tu pouvais le revendre et ça te permettait juste de tenir en mana. Ouais, c'est super fort. Hein. Sur Vel'Koz, ça peut être bien pour avoir un bon pool de mana, mais malheureusement, je pense qu'il a prévu de l'upgrade en archange, oui, cette arme de la DS. Vince. Ouais, sur le Gragas, c'était un peu le kit spécial, le Bramble Vest, l'arme de la DS, qui te permet de tout avoir sur le champ finalement. Vu qu'au niveau des stats et des sorts de base, le champ a beaucoup de belles stats. Ouais. Les Gragas font tout ça en général quand ils partent tank, ça marche super bien. Surtout qu'au niveau de la top lane, il y a beaucoup de top laners qui sustain en face. Donc bah t'as besoin de tenir extrêmement longtemps. On a une prio bot side maintenant du côté des Vitality. Est-ce qu'on en profite avec une tentative de récupération du Drake? Parce que les adversaires évidemment ont l'information avec ce carapateur, sachant qu'on a aussi en face Viking qui est au niveau du bot side de la map. Les deux junglers sont au niveau 5, on n'a toujours pas l'empalement pour Memento. Et ça va commencer à manquer un petit peu, parce qu'avec un Skarner, t'as envie d'aller beaucoup plus vite qu'un Jarvan. Pas uniquement un camp comme il a pour le moment. Clairement, en plus de ça, la compo Vitality peut être facile à jouer en early game. Un simple flash de Skarner, c'est très facile à follow-up. Pareil au niveau d'Alistar, on peut combiner quelque chose assez facilement. Surtout qu'en face, on va pas vraiment encore avoir la tankiness, ou même les QSS, ou même la vitesse de déplacement finalement pour se protéger de ces catch long range potentiellement avec le slow du Vel'Koz de loin ou bien du Skarner. Donc si Vitality accélère les prochains niveaux, ça peut donner quelque chose de bien sympa. Il y a de quoi s'amuser, hein, au niveau de la mid lane notamment. Moi, c'est pour Backlund que j'ai réellement peur. Robalas en a pas mal parlé du fait qu'au bout d'un moment, si le Vel'Koz touche un tout spell, bah, c'est une mort quasi instantanée. Et si t'es aidé par un Skarner en early, il y a de quoi s'amuser. Smiley au niveau de la bot lane qui, avec Huslin, met beaucoup de pression. C'est marrant, c'est que cette duo lane, c'est une des meilleures duo lane françaises depuis quelques années. Qui sont pas du tout français, ils avaient été récupérés par les Gamers Origins à l'époque après des European Masters où ils avaient battu les JO. Ouais, c'est vrai. Et comme tu l'as dit, joli trahi de la part des Vitality, mais petite avance aux farms du côté de Silane. Avoir autant de farms en AD carry à ce timing là, c'est peut-être voire proche du 0 CS raté en bot lane. Donc on fait un bon taf au niveau de ce Ezreal, on va tout de même avoir un bon back, même sans avoir d'assist et de kill. Et Memento qui redonne, il va directement le stun qui touche, le laser directement derrière. Est-ce que Backlund va pouvoir s'en sortir? Le flash out, on flash directement, Nimbus Cloak, on arrive à le ramener. Attention, Jarvan qui vient attraper, le Skarner qui a très Backlund. Peu de tankiness, qui va tomber. Backlund est pas sorti, on a même pas enchaîné l'ultimate. Viking qui enchaîne derrière, Diplex qui remet son stun, qui doit flash out. Ça s'est joué à tellement rien. Backlund était pile hors de portée pour être tué. Il y a eu un gros flux qui a été fait. Attends, au bot aussi, il y a eu un kill. Attends, pourquoi c'est l'arc térébrant? Quoi? Oh. Ah, Ulti Ezreal. Oh là là, l'arc de Raymond de S qui a permis de récupérer le kill. Ezreal qui est... 2 kills sur ce move du côté des Easy Dream. Ezreal qui était limite pas loin d'avoir son essence river du coup sur ce back. Et très joli kill sniper de sa part, surtout que ça va d'apporter l'assist à ses coéquipiers. Donc vraiment, on est au top du côté des Easy. Du côté de Vitality, l'alerte est sonnée. Hein.
ça va être terrible. Et du coup, le sniping au niveau de cette mid lane, parce que justement, donc, la bot lane, elle vient de prendre un kill, mais jusqu'au moment que je capte que c'était sur Vel'Koz ce kill. Aïe, aïe. C'est joli en tout cas. Bien senti de la part de Silame. Et on sait qu'il a un super gros S, hein. On l'a vu beaucoup l'année dernière notamment. On est super bien dans sa game. En plus, là du côté de Vel'Koz, on a plus de Summoner Spell. On a vu un petit peu peut-être que le manque de stats offensives a coûté cher dans ce fight. Moi, ça me paraissait, pour avoir pas mal vu de game de Vel'Koz de Robalas, pour moi, ils allaient ruiner le 2v2 et tuer les deux, mais sans aucun problème. Et je suis vraiment surpris que ce soit transformé en 2-0. Les croquettes en panique dans le chat. 80% des croquettes sont sur Vitality. Et pour l'instant, la game est plutôt mal engagée. Ce Drake Infernal a même l'air d'aller dans la poche d'Easy Dream. Après, je te cache pas que même sans croquette, là, c'est mon prono aussi qui est mis en jeu. Et, on a je suis pas vraiment confiant pour le moment. Mais bon, bel avantage okay, pour Easy Dream. Mais le héros de la fight qui va être fait par les Vitality, ils ont besoin d'argent évidemment pour revenir d'un petit retard comme ça au niveau de l'early game. Point intéressant pour eux, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de team fight pour le moment. Et qu'au moment où il y en aura, s'ils ont un Aatrox qui est fort, Aatrox pourra avoir une grosse capacité de zoning. Parce qu'en very early, le Aatrox, entre niveau 11 et 13 en général, il est très difficile à arrêter s'il n'y a pas un gros burst en face. Et le tank qu'un Ez et son petit scaling et le Ryze aussi, en théorie, il n'y aura pas le burst justement. Oui, je suis assez d'accord avec toi, mais d'un autre côté, ouais, ce Skarner pas très tanky, on voit sur une cage de Ryze avec un enchaînement de CC, peut aussi se faire one-shot. J'ai l'impression que des deux côtés, en fait, tout le monde, s'il se fait attraper, peut se faire vaporiser. Bah ouais, parce que les plus gros tanks de la game actuellement, c'est officiellement les supports. Ouais. C'est les seuls qui sont officiellement des hard tanks. Le reste en jungle, c'est un petit mitigé entre les deux. Évidemment, ça tank bien, mais sans être non plus de la Sejuani, on va dire. On bot, par contre, il y a un écart de farm qui est colossal. Hein. 20 CS de plus pour Silame. Clairement, avec ce petit kill récupéré en plus, au niveau du prochain back, Silame, ça va faire très mal. Hein. Quand il aura Essence River et une moitié de Draktar, pourquoi pas de la létalité, ça pourra accélérer très vite. Au niveau des prochains objectifs qui se joueront, comme le Drake par exemple, il faudra faire attention à ces Drakes du côté d'Easy, ils pourraient les empocher très vite s'ils arrivent à maintenir cette avance. Ouais, et du coup, au 25 minutes de jeu, à peu près, avoir l'âme des dragons, ça reste faisable, qui serait une âme des nuages ou des océans. Attention, le trade au niveau de la botlane, Rock est prêt à partir. Est-ce qu'on peut s'échapper du côté de Rock pour le moment? C'est Usling qui continue le trade. Smiley qui va y aller avec le Fleur Instinct, le kill, qui devrait être assez facile tout de même, quoique l'empalement, qui va permettre de ramener justement un joueur de plus. Et ça fait deux kills, double kill en faveur de Smiley. Ah, c'est compliqué du côté de Silame, on n'a pas flash, ce Skarner qui était au corps à corps pour final flash derrière. Ça coûte vraiment très cher. Ouais. On respire un peu du côté de Vitality, on le rappelle, hein. C'est. Peut-être les playoffs en jeu dans cette partie pour Vitality. Il faut se relever maintenant, avant qu'il soit trop tard. On joue un petit peu avec la peur ici, mais ça va. De la réussite sur ce move bot. Comme d'habitude, Smiley qui se retrouve avec une petite gold diff à 15 minutes, avec ses deux kills. On va pouvoir enchaîner. On se rassure dans cette game, malgré leur lien un peu raté. Et heureusement, et là c'est dommage, hein, Silame qui malheureusement a pas voulu flash le Skarner au corps à corps. Ça coûte très cher ici. Ouais, je sais pas pourquoi, à un moment il a dû... Inattention peut-être, il pensait pas se faire empaler. Ou avoir le temps peut-être de mettre un Q et flash après, c'est joué à 0,1 seconde sans doute. Malheureusement, le grid du Mystic Shock lui a coûté ici extrêmement cher. On a l'essence River qui est terminée tout de même. Pour le moment, il n'y a pas de stuff supplémentaire pour Smiley si ce n'est cette dague d'enclée. Il n'y a pas de dragon avant 2 minutes 30. Donc là, on va être dans une phase en théorie un petit peu molle au niveau du jeu. Attendre au minimum jusqu'à ce que du côté de Memento, on ait l'empalement pour aller mid. Parce qu'il n'y a pas de flash sur Backlund. Ah, est-ce qu'il ne va pas récupérer son flash Backlund avant l'ultime Memento? C'est possible. C'est vrai que Backlund a vraiment la lane facile. Il a pas de potion, aucun moyen de sustain. Et face à un Vel'Koz qui a du mana infini, on le voit qu'il est toujours full HP ce Ryze sans flash. À avoir la priorité. Normalement, c'est plutôt l'inverse qui devrait se passer dans le match-up. Du côté d'Evita, on n'a pas assez appuyé dessus, malheureusement. Mais bon, il y a un Smiley qui est quand même à 2 kills pour le moment, qui tabasse bien Silame au niveau de la bot lane. Et c'est l'avantage d'une Kai'Sa, c'est que tu as un avantage d'assassinat qui est assez rapide dans la partie. Il y a beaucoup de CC en plus dans son équipe sur lesquels il pourra follow-up sans trop de problèmes. Quoique, attends, du côté d'Easy, ici, est-ce qu'on tente pas d'invade? Joli contrôle de la river, c'est ici qu'il faut faire valoir la range et le poke du Ezreal. Avec un essence river, c'est tout simplement ce qui peut offrir le Drake. Il va falloir toucher 2-3 Q-spell du côté de Silame. Et attention, parce qu'au niveau du trade qu'ils ont pris bot juste avant, on se retrouve avec un Ezreal qui n'a pas vraiment moyen de régénérer et qui est mid-life, donc c'est un petit peu compliqué quand même de sécuriser ce deuxième Drake. Dans 1 minute 30 en tout cas, on voit qu'ils l'ont en tête du côté d'Easy. Ouais, il y a le temps avant de le préparer normalement, ça devrait être plutôt tranquille, mais on essaye effectivement, comme tu dis, d'aller déjà mettre un petit peu de vision, sachant surtout que sur ce dragon, il y aura les téléportations des top laners qui sont disponibles et... L'éviscérateur qui vient d'apparaître pour Viking. Donc Raven peut être une grosse menace du côté de Viking aussi, si on n'est pas sur un Olaf. Et je pense que si Raven il arrive à terminer son Gore Drinker avant le dragon, on aura un avantage colossal pour éviter le TB. Ouais, un spike très agréable sur Viking parce que son rôle ça va clairement être de mettre une belle arène et se suicider pour permettre à Ezreal et Ryze de jouer, parce qu'en face, on parle quand même de Skarner, Alistar avec le laser combiné au laser de Vel'Koz. Enfin, ils peuvent se faire attraper très vite. Donc du côté de Viking, va juste falloir la jouer un petit peu all-in et gagner le plus de temps.
Ah, le héros de la faille hein, qui est mis juste avant la disparition des plaques. C'est vraiment histoire de dire autant qu'on récupère des thunes avec. Et en l'occurrence, les deux plaques sont parties sur Memento qui a 320 gold de plus. Gore Drinker qui vient d'apparaître sur Raven. Ok, on a les téléportations un petit peu partout. On va peut-être... Ah, est-ce que Raven il a le temps d'avoir le niveau 11? Il doit pas en être très très loin de son niveau 11 en plus. Hein. Si au niveau de la mid lane, ils les ont. Et s'il arrive à avoir le World's Ender rang 2 juste avant le Drake, il est bien. Pareil, turbo ouais. Cam Tank du côté Memento, on a des spikes un petit peu partout avec les premiers items mythiques. Clairement, on sent que ça se neutralise. Très peu de plates tombées de chaque côté, si ce n'est zéro avant cet Herald. On n'a pas pu faire usage de cet Herald. Donc récupérer les premières plates avec un Herald, bon, c'est pas top, elles sont vraiment très squishy. Ouais. Ça n'ouvre pas la map. Mais bon, au moins il est deny aux adversaires en blue side. On sait que le combo blue side plus Herald en général, c'est un snowball. Fait vraiment le café. Et du côté d'Easy, on rôde toujours autour de ce dragon. On veut récupérer cette âme. On va prendre la priorité au niveau du Ezreal. Ça peut s'annoncer pas mal pour les Easy. Point sur les TP au niveau de la top lane. Téléportation disponible pour les deux top laners. Vince qui vient de récupérer son niveau 11. On essaye de chasser les ennemis. Et c'est là que Slime va devoir faire la différence. Avec son essence river, avec ses pinks. Ce manque de vision du côté de Vitality. Est-ce qu'on veut répondre? Est-ce qu'il prend l'info? Est-ce qu'ils veulent vraiment se battre? Parce que t'as un Vel'Koz de toute façon, évidemment, tu peux mettre beaucoup de dégâts et l'engage qui est fait. C'est de la part de Rogue ici, on va pouvoir tuer un premier joueur, Memento qui tombera sous le coup de l'arc de Bordeaux. On va essayer d'enchaîner rapidement, il y a Smiley qui n'arrive pas à se positionner pour taper correctement. Regardez aussi une qui essaie de protéger tant bien que mal. Raven dans la mêlée qui prendra un kill. Raven ici qui fait un boulot monstrueux, il est increvable ce Aatrox. Raven pour Aristet une fois de plus, XD Smiley free DPS. On vient chercher le triple kill. Je ne sais pas comment Vitality a pu gagner ce Raven. Ils se sont engouffrés dans les pinks. Mais apparemment, on a dû mettre les dégâts sur les mauvaises personnes. Ce Aatrox, c'était free DPS. On stack le Conqueror, Gore Drinker, reset d'ulti, Diplex free DPS derrière qui vient lui apporter ses resets. Et finalement, tout s'emboîte parfaitement. On vient récupérer ce fight parce que là, quand on voit le début du fight, on se dit mais qu'est-ce que Vitality vient faire échec ici? Ah, mais l'engage, elle est bonne. Hein. Tu vas tuer Memento très rapidement. En plus, le burst sur le scanner, tu as dit tout à l'heure, il est très squishy actuellement. Et il le paye très cher, mais là, ça ravine dans la mêlée. On a plus assez de CD et la régène est colossale et on est sur un timing creux d'early game où finalement on n'a pas d'anti-heal, on va pas trop penser à ce Aatrox qui est isolé sur la top lane, mais pas d'anti-heal contre un Aatrox Spike level 11 qui peut tout enchaîner en fight. C'est peut-être une game de perdu pour les Easy malheureusement. Ça peut vite partir dans ces moments-là. Deuxième héros de la faille qui est fait de la part des Vitality B. Il n'y a pas de contestation réellement possible, hein. Vous voyez ce Jarvan est un petit peu en dessous, il va pas oser avancer. Donc on a moyen de faire une grosse accélération. Ouais, c'est vrai qu'au niveau des outils qu'avaient les Easy, on avait pas d'anti-heal. L'Ignite a dû utiliser tout le fight directement, on agresse encore plus du côté de Memento qui n'a rien claqué au fight d'avant et qui a tout gardé pour Monsieur Vince qui va mourir ici. Encore une fois, Smiley qui s'en met plein les poches avec un Herald disponible pour en faire encore plus. On se rassure du côté des Vitality. Ouais, bah là pour le coup t'as une Kai'Sa qui est à 6-0 avec un Kraken déjà. Ce sera un Everfrost pour le Vel'Koz. Okay. Avec une telle distance, je sais pas dans quel timing il le met. Attention, Raven ici, le all-in sur Slime, il va le chercher à l'auto-attaque. Il n'a pas peur, pas de problème. Slime ne peut pas résister. On a donc actuellement une Kai'Sa de feed du côté des Vitality B. Une Tarantop qui vient tomber en leur faveur. Un Aatrox qui est extrêmement bien dans sa game, pour ne pas dire feed aussi. Ça fait une deuxième tourelle. L'accélération après ce dragon, elle est incroyable. Petite glissade en early game du côté des Vitality, mais c'est playoff, on les veut. On a tryhard. On a saisi les petites opportunités et on a vite emballé la game. Là, je les vois bien faire les games qu'on a vues dans les premières weeks. On veut pas se faire peur, on va juste être clean de A à Z. Et on va snowball tout ça tranquillement. Belle décale vers le bas du côté de Backloon parce que là, il se faisait encercler. Le niveau des golds, hein, encore une fois. Plus 2100 au niveau du Karyade et le dive sur cette mid lane. Rien à faire pour Rogue. On rappelle, c'était une réelle, c'est hard tank hein, ici. Mais voilà. Ouais. Être très tanky face à 4 joueurs complètement fed, ça ne suffit pas. Nouvelle tourelle kit, on va faire des Vitality. Pour l'instant, il n'y a que celle bot qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, mais c'est pas très grave. Une tour en side lane, ça tombe très rapidement à ce moment-là. Ouais, du côté de Easy, on n'a pas su utiliser les forces des carry finalement. Ce Ryze qui doit prendre le push rapidement, qui a potentiellement un ultimate. Ce Ezreal qui doit poke, etc., qui était finalement enfermé dans un pit. On n'a pas pu se servir des forces de ces picks, alors que de l'autre côté, on a pu se servir vraiment de tout ce qu'on voulait. Le spike sur le Aatrox. Et puis derrière, on enchaîne et il y a plus. Et derrière, après, il y a trop de retard du côté d'Easy pour avoir une seconde chance. Donc, c'est très très dur. C'était fou ce spike parce qu'en fait, on se souvient que dans le fight, il y a Smiley à la base qui s'avance vraiment avec un commit qui était un peu surprenant pour prendre l'attention sur lui et qui a la TP de Raven qui lui permettent à ce Aatrox d'être complètement bien placé dans la mêlée. Ça a été un travail d'équipe qui était extrêmement bon. Et on voit au niveau des tourelles bot hein, pour le moment, bon, ça devrait tomber incessamment sous peu du côté des Vitality B. Et alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à Raven exactement? Ok, il avait du flash out ici. Très bien. Oh, Backloon, qu'est-ce qu'il fait là? Directement l'ultimate de Scar. On enchaîne avec le combo de Sneed. On a claqué beaucoup de choses. On sécurise le kill, on lui met tout.
Et attention, Raven qui rôde derrière, prêt à réceptionner Sylame. Il est pas vu par des wards. Très bon swing spot. Hyper pré-shot, la chaîne est touchée. Plus de dash, plus de flash pour Sylame. On enchaîne flash de Diplex. Très agressif sur son Vel'Koz. Et on vient finir le travail. Très bien joué. Encore une fois, Raven qui se glisse derrière les wards ennemis. Il savait que le Ezreal l'attendait derrière le mur. Ah, il est incroyable sur cette game, Raven, je trouve. Hein. Vraiment. Au niveau de sa lane, ça se passait bien en termes de push, donc bon, ça pas trop de surprise, il était face à un Gragas. Mais au niveau des fights et de l'anticipation de son positionnement, je trouve qu'il nous fait une performance exceptionnelle. Ça n'enlève rien à Smiley, qu'on soit d'accord, mais Smiley, il a bénéficié des kills au bon timing. Ouais. Là où, bah, du coup, forcément, il profite d'être complètement fait, là où Raven est allé chercher lui-même un petit peu tout cet argent. Nouvelle tourette qui tombe, plus de couronne extérieure protectrice du côté des Easy Dream. On va pouvoir continuer l'agression au niveau des Vitality B. Le dragon est au bot dans une minute, et on va pouvoir récupérer une T2 supplémentaire, ce qui veut dire que la seule T2 vivante au Easy Dream à même pas 20 minutes de jeu, c'est la T2 mid. Ouais. Du côté de Sylame, c'est vrai que le Aatrox l'a totalement empêché de jouer la game. À chaque fois, il est sur ses côtes. On est en 2-4 avec Ezreal, c'est délicat. Oh, on tente un petit play. TP de Vince directement derrière. On n'est pas vraiment vu. On possède un flash, un ultimate. Mais où sera le follow-up? Où sera le follow-up? Il va se faire stun directement. Smiley qui a les dégâts des deux items. Oh, l'ultimate de Ryze. Enfin, très bon combo avec la Rel. Est-ce qu'on a les dégâts? Très belle ulti de Sylame pour venir mettre les dégâts là-dedans. Diplex, très bon zoning sur les deux carry derrière. Ça, c'est un bon ulti Vel'Koz. On absorbe l'exhaust lever parce que lui permet de se repositionner. Très bon fight de Diplex ici. Et du côté de Slin, c'est un 2-1. C'est un 2 pour 1 quand même en faveur des Vitality B, tout ça, alors que c'est à l'initiative des Easy Dream. Et Raven, il n'avait pas de téléportation, donc il ne pouvait pas venir les aider. Et on voit que même sans Raven, ils arrivent à gagner des fights, les Vitality B. Ouais. Ils vont peut-être pas avoir le dragon, mais au moins ils sont bien. Et puis Raven continue son petit moment de chemin au top. Il a la téléportation maintenant. Attention, Memento qui a été pris à partie. Ça coûtera le flash de ce Skarner, c'est dommage. Un CD important tout de même qui est perdu. Et on répond du côté de Vitality. On a une téléportation de Raven qui vient de passer au shop. On n'a plus grand chose en face. Le slow de l'océan qui empêche un petit peu Slin de jouer. On va récupérer ce deuxième Drake. Et ouais, pour revenir au fight d'avant, vraiment, Diplex était dans un buisson. Il y avait un mur entre lui et les deux carry. Du coup, il a pu mettre un free laser. Il ne pouvait pas répondre. Ça les a totalement zonés et c'est un petit peu retourné le fight. Et c'est Everfrost qui aura servi finalement vu qu'ils sont venus proches de lui. C'était intéressant. Bah, je me pose la question, mais bon, pour le coup, ça a l'air de marcher correctement. On demandera un peu à Robalas tout à l'heure ce qu'il en pense exactement au niveau de l'item et de la range, mais je t'avoue que pour Diplex, ça marche bien. C'est pas le meilleur Vel'Koz qu'on ait pu voir, mais au moins ça fonctionne parce qu'il y a une équipe qui est assez faible. Et là, en fait, à mon avis, les Easy Dream pensaient tuer Smiley beaucoup plus rapidement. Le truc, ouais, c'est qu'il clairement a le temps de mettre énormément de dégâts, Smiley. C'est dingue, hein, ce flash pour se positionner, on doit tout lui mettre finalement. Derrière, il reste plus grand chose. Et là, Diplex, il y a l'ultimate assez gratuit. On commit beaucoup du côté de Sylame. On arrive à bien tourner le fight, hein, parce que là c'était vraiment l'enchaînement parfait pour Easy. Finalement, ouais, on emmène la Rel avec l'ulti Ryze. C'est le rêve niveau engage, et même ça, ça n'a pas suffi. C'est un petit peu délicat. Ah, mais les rails, ils sont créatifs, hein, du côté de la LFL en tout cas. C'est au moins quelque chose de très agréable à voir. Ça veut pas dire que c'est suffisant, mais au moins il y a une bonne idée derrière. Bon, le Baron Nashor a fait son apparition. On a une draft qui est tout à fait correcte, hein, du côté des Vitality B pour le récupérer. Diplex a un DPS correct, et surtout, on a Smiley avec une Kai'Sa complètement turbo-fed. Là où en face, bah malheureusement, ils n'ont pas de position nulle part. Ils n'ont pas de très gros spike par rapport à leurs opposants. On est sur du 2 items ennemis contre 2 items en moyenne. Et surtout, il va falloir réussir à aller chercher la vision. Et on le voit du côté des Vitality B. Il y a quelques pink wards au niveau de la rivière topside. Il y a même un bot qui devrait disparaître pour aller vers le top et justement maintenir le contrôle sur toute cette zone. J'aime beaucoup ce choix de Raven de partir sur le rendouin. L'item est peu fait en Europe par rapport à la Corée. C'est très fort. Souvent, les gens ont tendance à faire rendouin uniquement quand il y a du crit, etc. Là, il n'y en a même pas en face, mais c'est quand même un bon choix parce que le simple passif qui réduit les dégâts de toutes les petites attaques, finalement, constitue une excellente tankiness, en plus des stats de l'objet qui sont vraiment, vraiment solides avec l'actif, etc. Plus, l'item est pas très cher, donc très bon choix de la part de... Oh là 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 là. Oh là là. On a même pas eu le temps de le voir arriver directement. Smiley, Dashin, 3 items. Slade, plus de Sylame. Waouh. Sachant que son 3ème item, c'est une Dawn Nashor d'ailleurs qui vient de récupérer. Ouais, on en voit de plus en plus sur les Kai'Sa. Mais là, les dégâts qu'il lui a mis, c'était violent. Sylame qui passe pas une très bonne game. Hein. Il a eu son free kill sur Diplex avec Ultimate. On avait une belle avance en CS en early. Mais Smiley lui montre qui est le patron dans cette partie. Qui veut aller chercher les playoffs. C'est dur, hein. C'est très dur pour ce Ezreal. Et on enchaîne directement avec le Nashor avec Dawn Nashor Kraken, ça va très très vite sur Kai'Sa en plus du passif. Et Raven directement en situation de 1v3, il a le niveau 15. Il a un rendu 1, il a un red buff, peut-il le faire, peut-il le turn? Oh là là. Il décidera de s'échapper. Smooth, fluide du côté de Raven. Exactement. Moi je pensais qu'il allait tenter de le turn, ouais, vu l'avance qu'il a, mais... C'est là où tu vois le sang-froid du joueur qui dit... Oh, oh non, Sylame! Le sniping de la part du carry AD des Easy Dream ici. Mama Memento. Incroyable, Memento qui doit être tellement triste, il s'y attendait pas.
S'il s'y attendait, tu vois, il aurait patienté un petit peu le temps de le voir arriver. Là, pas du tout, il était confiant et il le paye tellement cher. Alors qu'on venait de dire que Raven a vu du sang-froid, qu'il prenait pas le fight parce que ses alliés faisaient le baron. Bam, punition. Du côté de Memento, on a oublié un petit paramètre. C'est dur de les oublier, c'est comme quand tu mets un Herald, que tu oublies l'ulti bard, etc. C'est dur, mais il faut savoir qu'à ce moment-là de la partie, les dégâts d'Ultimate Ezreal sont à peu près égaux au smite de Memento parce qu'il est seulement niveau 12 quand ils entament ce Nashor. Ils l'ont entamé très tôt dans la partie. Et là, du coup, c'est compliqué. Du côté de Vitality, il faut respirer, maintenir la position, juste temporiser ce Nashor. Ça devrait le faire, mais ah, c'est dur. On va revoir c'est ça. Au moment où il arrive en plus. Et il a mis sa petite émote avant, mais tranquille. Ce timing est incroyable. Oh là là. Il y a le smite, je crois, de Memento juste avant en plus. Ah, en fait, l'ulti est tellement venu à un pixel timing que on a paniqué du côté de Memento. C'était pour sa défense, vraiment, l'ultimate est arrivé au pire timing. Mm. Parce qu'il a respawn, il l'a envoyé, ils ont pas eu le temps à une auto-attaque. Enfin, c'est terrible. Ah bah, il restait 900 HP, il s'est dit waouh. Si on a encore quelques auto-attaques, ça va tomber sous les coups de l'ulti. C'est dur. C'est pas grave, il y a toujours un petit avantage. 4000 God, une minute avant le prochain dragon. Ça devrait pas permettre non plus aux Idrim de full revenir dans la game, ça va juste leur permettre de gagner du temps. Donc, c'est pas ce temps-là qui les fait gagner actuellement, mais c'est du temps qui est offert au Ryze pour scale. Et ouais, c'est peut-être ça qui fait un petit peu peur. Je suis d'accord avec toi, il y a toujours le facteur volatile chez Izzy qui fait qu'ils sont jamais totalement enterrés, c'est ce Ryze. Parce que du côté de Ryze, quand on atteint 3 items plus niveau 16, ah ouais, les dégâts sont vraiment décuplés avec les EQ. Ça peut, en un EQ, en un combo, il peut one-shot smiley, donc même en side. Après, du côté du Aatrox, on a quand même beaucoup d'avance et des mercures. Donc je pense que contre le Ryze, on peut potentiellement être assez serein. Surtout si on n'a pas d'anti-heal du côté de Ryze. Smiley encore une fois, qui vient remettre les pendules à l'heure au niveau de l'ADC. Tu as volé mon Nashor, mais je viens t'exécuter une fois de plus, même sous exhaust. Quel kill pour Smiley cette game. T'imagines que l'outplay possible de Sylvain, c'est de ne jamais se faire toucher, ne jamais se prendre un stack de Smiley pour pas pouvoir se faire dash dessus. Oh là là, c'est terrible. Hein. Et même sous exhaust, les dégâts qu'il a mis. C'est incroyable. Mais bon, c'est dur. Ça fait la T de mid lane et ça va faire un futur dragon au Cimarex. Ouais. Encore une fois, on se rassure après ce Nashor perdu, on reprend le contrôle de la map, on vole les camps ennemis afin de maintenir cet écart au gold. Power Spike niveau 16 qui va bientôt arriver, on y va directement du côté de Slyn. Les dégâts du Vel'Koz pour follow-up à Kloon qui va tomber derrière avec l'Ignite d'Alistar et on se fait ramener du côté de Vince. 2 kills, 50 secondes, les Death Timers sont très longs, les Vitality ne veulent rien lâcher. Est-ce qu'on va aller chercher cette game maintenant, Gardoum? Il y a Stilem qui revient. Il y a Stilem qui revient et surtout, c'est pas de se bien améliorer par le Nash, quoi. Il y a peut-être un wave clear possible avec Stilem. Il faut tenter absolument. On n'a pas d'Archéo Térébran. Pour le moment, il y aura une T4 qui va être agressée en tout cas du côté des Vitality B. La première T4 qui va tomber. Raven qui est sous ultimate. Le World's Ender qui est en train de zoner ses opposants. La deuxième T4 qui est agressée. Les dégâts de Memento sur le côté. Viking qui tente de faire une engage. Et regardez Stilem dans le melee. Le shutdown qui est récupéré par Rogue. Est-ce que ce sera suffisant? L'Archéo Térébran, oui, on repousse les Vitality B. Joli engage, on arrive à repousser les Vitality et à garder une OT4. C'est pas trop mal du côté d'Easy, mais du côté de Vitality, on va récupérer ce Drake, ce spike d'un item supplémentaire qui arrive. On aura la pression de l'âme du dragon. La map est complètement ouverte. Ça paraît de plus en plus dur pour les Easy, mais on tient jusqu'au bout. Oh là là, Driplex pour le trap serein là-dessus. Oh, mais après, il y a un petit kill. Qui est là. Vince, Bakloun qui sont arrivés par derrière avec une double téléportation. Ryze, Pogel, face Bakloun qui doit avoir énormément de dégâts. Le double kill de Bakloun pendant que sur le côté, Rogue ainsi que Sylem sont en train de détruire Diplex tant bien que mal. Triple kill de la part de ce Ryze. Et le portail transmotionnel aux espoirs de ce Vel'Koz. Oh, incroyable, un Ryze. Voilà ce que c'est un Ryze free DPS. Et il n'avait même pas son niveau 16. Niveau 16, les dégâts du Q-spell sur les cibles avec un flux sont décuplés. Il ne l'avait même pas. Et là, ils arrivent derrière avec leur TP, et ce n'est plus vraiment la même game. Je suis vraiment très surpris. Trop pu faire ça. Trop fort cette double téléportation. Sachant que Diplex avait caché quelqu'un, donc vraiment, mais là, double TP derrière. En fait, on n'a plus de mana du côté Smiley, et là, oh là, Ryze free DPS. Et ce baril de Vince excellent qui vient repacker les trois personnes. Très bon baril, parce qu'il y a trois cibles face à lui, ça va plutôt être intuitif de le lancer sur les trois, les splits ou quoi. Non, il le met sur le côté. Tout le monde est paqué pour le Ryze. Ultimate derrière, Bakloun qui fait un superbe fight. Et attention, parce que là, du côté de ce Ryze, c'est un niveau 16, c'est un Void Staff, bientôt un Rabadon. Ce facteur piège du côté du Ryze peut venir mettre un terme au rêve des Vitality. C'est pas fini la game. Pas encore, pour le moment, l'écart de gold 3000 à peine à 26 minutes, ça a peu d'impact, qu'on soit d'accord. Mais en théorie, ce Ryze, il se prend un Q-spell de Vel'Koz, il meurt. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai entendu. C'est ce qu'on a entendu, c'est vrai. Et ce Ryze là, qui a quand même pu trouver une belle opportunité. À Diplex était loin, on s'est glissé derrière cette ward. Qu'est-ce que faisait cette ward là-bas? Mais elle est toujours là, c'est pas la pink au niveau du blue qui doit être là depuis. Mais si, un 30 minutes de jeu, elle est toujours là. Waouh, c'est vraiment étrange. Malgré le move, les Vitality ils sont pas encore allés check ce buisson. Ouais.
Alors ça va qu'il n'y a pas de dragon, que l'objectif là ça va être le baron Nashor, mais ça pourrait poser de futurs problèmes d'ici quelques minutes. En tout cas, bon, Vaklun qui est là. Du côté de Silem, on avance aussi vers le Cyril Dasgrudge qui va permettre aussi d'avoir quelques dégâts supplémentaires, parce que là actuellement, s'il y a Ravon ou il y a Memento devant lui, il fait pas de dégâts pour moi au Silem. Ouais. Mais c'est forcément ça au niveau de la ward, parce que vu qu'il n'était pas dans cette zone depuis un moment, Lazy, ça ne pouvait pas être une ward normale qui avait été posée, elle aurait expiré. C'est donc une pink, cette pink. Elle vient d'être détruite. Cette pink du comeback qui a été retirée. Et du côté du Ryze, bah finalement avec Void Stap et Sorcerer, on a énormément de Magic Pen. Donc contre Raven qui n'a finalement, il doit avoir quoi, 80-90 de RM avec ses bots, on peut potentiellement gagner en side et ça peut peut-être partir de là. Mais attention, de l'autre côté de la map ça peut accélérer. On va peut-être bientôt récupérer le flash sur Memento. On n'a pas vraiment, on joue sur un fil du côté des Easy parce qu'on n'a pas de QSS. Mais ce pari finalement était bon à prendre dans cette game quand on est derrière. On a vu que ça a payé tout juste au ouais. niveau de ce fight dans la river. On a eu tout juste assez de dégâts, donc le pari paye, mais attention à ce Skarner. Ils avaient pas le choix quoi, je suis complètement d'accord avec toi. S'ils prenaient des QSS, ils auraient eu trop de retard en termes de dégâts pour gagner le fight. En n'en prenant pas, ça leur demande juste de jouer parfaitement. Enfin juste, mettons grosse guillemets à ça, c'est pas si simple. Mais au moins ça veut dire qu'ils ont une option. Dans le cas échéant, ils n'en avaient pas tout simplement. Et on est en train de prendre le contrôle de la zone au niveau du baron ouais. Nashor, il faut mettre des wards. Et du côté Smiley, on y va vraiment full glass cannon, hein. On a pris une IE. On a vraiment mais aucun élément défensif, pas un point de vie, pas de stase. Rodiplex qui va directement attraper ce Ryze, c'est la punition. C'est le laser qui va directement être interrompu par Rogue, mais ce Ryze se fait attraper malheureusement derrière, est-ce qu'on a des dégâts? Je ne pense pas, ce Ryze est mort. Rogue qui fait un bon travail de contrôle, mais derrière Diplex est free DPS avec son Vel'Koz. De même pour Smiley qui vient abattre Rogue, on vient chasser les Easy. Ça y est, du côté des Vitality, on y arrive sur cette erreur de Backloon qui n'aura malheureusement rien pu faire du fight. On se fait attraper, sans flash avec un Ryze. La situation de rêve où le Vel'Koz est free DPS sur Ryze et derrière. C'est la game. Plus grand chose à faire et pourtant Silem, je ne sais pas si vous l'avez vu, il était en free DPS durant ce fight. Silem, c'était Mystic Shot sur auto-attaque, sur Mystic Shot, mais c'était sur Raven, c'était sur Memento, c'était sur des pics qui ne prenaient malheureusement pas assez de dégâts par rapport à ce qu'il infligeait. C'est l'inconvénient d'un Ez, quand ça tanque trop en face, t'es vite limité à moins que tu sois overstuff, que tu sois complètement fed. J'ai envie de dire à la fois belle victoire des Vitality qui se rassure, qui se rapproche des playoffs, et en même temps, est-ce que c'était convaincant? C'était une game qui était vachement difficile parce qu'au moins ils ont de l'avance, bah plusieurs fois, t'as les Idrim qui reviennent. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que c'était quand même relativement clean, parce qu'on a beaucoup manqué de réussite en early avec l'ultimate d'Ezreal qui vient tuer Diplex, l'ultimate d'Ezreal qui, au pixel timing, vient un peu empêcher Memento de smite. Le fight aussi dans la river, ils ont... C'était bien pensé, mais c'était une pink, mais vraiment qui devait être là depuis 10 minutes. Incroyable. Donc, je dirais petit manque de réussite du côté de Vitality, mais on les a quand même vu assez brillants, malgré l'early game. Derrière, ils ont directement retourné la game, accéléré, on s'est pas fait peur. Après ouais, au niveau de la mid lane, au niveau du Vel'Koz, je pense qu'on va entendre quelques choses, mais je serai sans doute d'accord avec ce qui sera dit. Bah, y a des chances parce que ça n'a pas été très convaincant. Raven qui a été assez ouf, mais pour parler de tout ça justement, Marex, on va vous renvoyer mesdames messieurs vers Twix et le plateau d'analyse. Merci messieurs pour le commentaire de cette partie. Victoire donc de Vitality B, ma foi dans un match peut-être un peu plus accroché que ce qu'on attendait. Bon, commençons par le commencement, avant d'avoir les highlights, avant d'avoir les plays, avant d'avoir tout ce qu'on veut. On a eu Vel'Koz, on a Monsieur Vel'Koz avec nous. Le verdict ? C'est une honte. C'est une honte. Je ne peux pas diffamer s'il fait quelque chose de différent de ce que je fais, parce que c'est possible qu'il y ait des choses qui soient... Enfin, on ne joue pas de la même manière. Très altruiste. La TP, c'est OK, parce qu'il peut TP dans une game compétitive pour match et tout. Mais déjà, il joue. Enfin, Nimbus Clock, ça n'a pas d'intérêt. Il joue TP. Il fait Everfrost. Alors, Everfrost, on n'est pas convaincu. La range de l'item n'est pas la range des surfaces. Moi, des fois, dans la game, il a Everfrost, puis j'ai beaucoup aimé. Hein. Ça marche, traitons. Bah, tu veux juste me casser les couilles alors que là, c'est objectivement une honte. Regarde ce teamfight de Diplex. Rate le Q. Va air quelqu'un qui est déjà mort, ne peut pas le channel entier, il se fout de notre gueule. C'était pas la performance qui a fait la diff dans ce fight en particulier. En revanche, ce fight, il a fait la différence totalement pour les Vitality B qui étaient menés, hein, jusqu'à ce qu'on arrive à ce fight dragon qui est triple kill pour Smiley et qui puisse commencer sa route vers les combien 12 kills dans ce match. Je sais pas, il en a fait beaucoup, mais au-delà du pick Vel'Koz et au-delà de comment il a été joué, etc., et comment il a été amené, il y a eu d'autres choses. Il y a eu par exemple Raven et la Battle of Vitality qui ont été vraiment excellents. Ouais. Le truc était un petit peu en retrait, mais c'est normal, il a un pick Skarner, il était là plus pour l'utilité. Il y a eu ça aussi, le je Nashor, crois. Ouais. Il y a eu ça, et c'est difficile, mais... Franchement, c'est un beau timing. Alors, c'est vraiment pas de chance. Enfin, c'est pas de chance. C'est pas normal, évidemment, que maintenant le smite n'est pas bien joué, Silla. Mais tu vois, ça peut arriver, et ça, je trouve ça même pas que c'est vraiment une erreur de Vitality B, parce que c'est juste un fait de jeu, genre un truc random. Normalement, il devait jamais se faire style, et c'est un peu pas de chance, quoi.
Mais je pense que chose qu'on n'a pas revue dans les replays et qui joue pas mal, c'est le fait qu'ils perdent le 2v2 en early mid-jungle. Je pense que ça les slow pas mal parce que sans revenir sur le build et tout, parce que bon, j'en parlerai sur Twitter. en fait, je pense vraiment que... Regarde le Verfrost là. Regardez le feuille de Diplex. Purement et simplement incroyable. Donc déjà, Vince fait un très bon travail pour essayer de comeback dans la game. Diplex derrière, boum, il essaie de one-shot rock très tôt. Il se fait concentrer son ultimate. Il va kite parfaitement la botlane. Très très bon flash out de Diplex. Il a l'Abuse Cloak qui fait très bon Q-spell. Incroyable, son Abuse Cloak est insane. Everfrost, boum, dans la tête de Sylam. Il s'en sort, double kill. Ce Vel'Koz, c'est le meilleur Vel'Koz que j'ai jamais vu de ma vie. Bah, tu ne dois pas regarder mon stream. en vrai, sur le move, il y a plein de trucs où il joue mal. Hein. Sur la raid, il peut la tuer avant qu'elle le cancel. Sur le move, s'il n'a pas un Everfrost, le Ezreal, c'est mort. Et il serait mort sans qu'il y ait Everfrost. Et du coup, il peut se replacer, il peut peut-être en tuer un de plus. Hey, spécialiste de champion de niche, il faut croire en l'expertise des personnes qui spamment des champions que personne ne joue. Il fait juste ça pour me faire chier. On comprend bien et ça fonctionne à moitié. Ça marche pas mal quand même, ça marche vraiment bien. Le truc, c'est que je pense vraiment que s'il fait certains trucs différemment, ils ont plus de facilité, même que juste sur du build et du build pass. Écoute, il faut contacter le coaching staff de VitalityB si tu as des choses à redire et tu peux aider la performance dans le bon sens. Revenons rapidement sur les matchs tout de même. On n'a pas vu tous les moves tout simplement parce que les VitalityB. On a cru au fait qu'ils allaient se faire remonter après ce teamfight où voilà, il y a triple kill quand même, Backloon qui tombe, on se fait voler un Baron Nashor, on commençait à penser que le destin s'acharnait un petit peu. Au final, dès le teamfight de la 15e minute, bon, voilà, triple kill sur XD Smiley, il a one-shot quelques personnes avec son combo Kai'Sa. On a passé une bonne game, on a eu un très très gros Raven également, tu as bien fait de le préciser, même s'il était un petit peu plus discret dans les phases ultimes de la game, ce qui va nous compliquer la tâche. En termes de MVP, messieurs. Je mets un veto, Vel'Koz ne peut pas être MVP. Non, mais en réalité... Ça se joue très clairement entre Raven et XD Smiley. Moi, j'aurais mis Smiley, en vrai. Alors, Raven a très bien joué la lane, et pour ça, quand même, il mérite un petit peu. Maintenant, de l'autre côté, Smiley en lane était un petit peu en dessous. Par contre, dans tous les teamfights, avec son build qu'il a fait aussi, il a fait des catchs en mid-game qui sont très importants. Donc je pense que pour Smiley, c'est largement mérité. Et puis c'est un joueur qui en a déjà beaucoup et qui risque d'en avoir encore beaucoup. Tout à fait. Et c'est une discipline, bien sûr, qui est assez ingrate. On ne peut en récompenser qu'un. Mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont très très bien joué. Et notamment Raven qui était très très proche de le récupérer celui-ci. Mais bon, 12-2-6, pas loin de 37% de dégâts. Enfin, il a one-shot des gars et tout. Enfin, c'était très très belle game très de sa solide. Part. On est habitué. On pourra quand même citer le bon travail de Huslin, son compagnon de toujours, avec Alistar, qui a été vraiment excellent aussi. Absolument. Et on va pouvoir attaquer l'interview maintenant, puisqu'on va recevoir justement on a Smiley, c'est bien ça, Carnage. Oh, good evening, Smiley. Hello. Welcome on the desk. Congratulations on the win and on the MVP. Yo. Amazing game from you, man. Yeah, I guess. I actually feel like I played pretty bad this game. I'm gonna be completely honest. I just got some random free kills. Yeah, so. You had a lot of free kills. What didn't match your expectation in this game? Was it the laning phase? Yeah, I think lane especially. I don't know, like I feel like I've gotten a bit taken off guard by our poor performances lately, and I just wanted to make sure that I don't do any mistakes early, like what happened yesterday after the botched level one. So I think it affected me a bit mentally and as I went into the game. But as we went like further and further into the game, I got back into my like game mode, and I just I think I played the fights, like the first fights, really good, and got ahead from that, so the break was made in the 15 minutes with the Drake fight, where you picked up a triple kill. From this stage in the game, you just were an assassin with your Kai'Sa. But it's quite interesting that you reflect some reflections on your recent level of performance. How do you feel? Obviously, in this sprint towards the playoffs, you seem a little bit affected, and we obviously wanna know more from you. Yeah. Like, I obviously didn't expect us to be in this position where we have to sweat for playoffs. And I think, especially after the game yesterday, where we had a really bad game, Game Ward gave us the game back, and then we threw two times when, like, the game is a complete free win, right? And it's such a huge game for playoffs. Like, that does affect us, like, whether we would like to admit it or not. But I think I'm still very confident in myself. I'm still very confident in my team. Like, as long as we make it to playoffs, I know that we can win. Like, if you remember Gamers Origin last spring split, I think we
came into playoffs as a last seed, and then we made it all the way and won the split eventually. So as long as we make it to playoffs, anything can happen. So I just right now, all that's on my mind. I just want to make sure that we get to playoffs, and then we'll take it from there. Well, chances are getting better and better. Of course, with this win too, Tréton, tu voulais ajouter quelque chose? How did you bounce back from the game yesterday? You just said that the game was disappointing from you. So as a team, how did you bounce back with like mental talk or anything? I mean, we actually decided not to talk about the game. And I think that was probably a pretty wise decision. We will go over it now, probably tomorrow. Because I feel like when you have a loss like that, if you talk about it straight after, a lot of people are emotional. You might come to the wrong conclusions. Like it's, and we have a game the next day, so we don't want it to like negatively affect us too much for that game. So we'll have a talk about it tomorrow. I think the mistakes we did was quite obvious. The level one was terrible, and then we could have ended the game multiple times, obviously, when they threw back. So, and with this game especially, you just said that. Personally, you're a bit disappointed with your performance, but as a team, are you happy with how you played? Yeah, I'd say so. We had a bad early fight in mid, but I still think we were able to like reset our minds after that and just think about like because we had a very clear goal in mind. Like we want to set up plays for bot and then fight for the drakes and contest them on every drake. And that we did, and I think we, like except for the Nash steal, wasn't lucky. It was slowed us down a bit. How was the communication unlucky, when that happened? Because we were very, very surprised. But what happened in your comms? I don't want to talk about it. Like actually, Memento said like there might be an Ezreal coming, and then when it's like on 1k HP, like stop, and I was like. Okay, I'm gonna cancel my auto, and then my last case for auto went through, and I was like, oh my god, and then the Ezreal comes flying in, and it's gone. And I got flashbacks to Viking Anton stealing our Nash with Kha'Zix Max's smite range. And, but we were so far ahead, so it didn't matter, luckily. Like, luckily for me. The communication wasn't as optimal as it could have been, for sure. Yeah, Ezreal damage at this stage Not of the game is almost like a smite. Well, Smiley, thank you for sharing with us your reflections on this sprint towards playoffs. It was very cool to hear some insights from you. Congratulations on the win on the MVP too. We remember our audience that you were the MVP for the Summer Split 2020. So you're kind of still in the race. Congratulations on that one, and we wish you a very good rest towards the Super Week that is coming very very fast. Congratulations, Smiley. Thank you very much. Take care, guys. Take care, you too, and see you next week. We wish you the best. Merci à Smiley donc pour cette interview qui fut un petit peu plus détaillée puisque voilà il a accepté de partager avec nous voilà quelques-unes des réflexions des certaines petites formes d'angoisse voilà avec les résultats la course au play-off et surtout quelques déceptions en termes de niveau de jeu individuel, hein, on précise bien sûr. Il pensait déjà qu'en termes d'équipe, il serait peut-être un petit peu plus haut dans le classement, je pense à ce stade-là de la compétition. Il a parlé de sa performance individuelle, je pense vraiment beaucoup vis-à-vis de la lane, parce que c'est vrai qu'il avait un peu de cesse de retard, et pour un joueur comme lui, je pense que c'est pas un truc qu'on va avoir du tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont super déçus de leur game hier, ce qui est logique, parce qu'il y a eu beaucoup de throw contre throw, mais ils n'en ont pas parlé. Ils ont juste mis ça de côté, ils vont la review demain ou après-demain, et ça leur a permis de bien se concentrer sur le match d'aujourd'hui et du coup de le remporter. Sage décision, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Robalas? Les sujets qui fâchent, on les met après les épreuves finalement, c'est logique. Ouais, bah après je pense que ça c'est une décision de groupe. Comme il a dit, il voulait éviter les réactions à chaud, qu'il y ait quelqu'un qu'on tire des conclusions hâtives et tout. Ils se sont focus sur la game ce soir, et comme il a dit, ils ont eu un early fight au mid qui s'est pas bien passé, ils ont quand même réussi à reset, à focus le plan de jeu et tout. Donc, c'est de toute façon, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer sur la Super Week la semaine prochaine. Et détails, du coup, je pense que la semaine qui arrive avec les reviews qu'ils ont. Je parle pas que forcément que de Vitality, mais toutes les équipes vont avoir une grosse semaine de préparation pour les trois matchs de la semaine prochaine et ça va. C'est là que ça va se décider, quoi. Les choses sont extrêmement intenses pour notre et votre plus grand plaisir, bien entendu. On remercie également Robalas de s'être retenu durant cette interview afin de ne pas faire de sortie Tokyo Drift sur le build de Vel'Koz, qu'il a eu du mal à supporter. Mais bon, la victoire est du côté de Vitality B, donc toujours en très très bonne position pour cette course aux playoffs. On va maintenant marquer une courte pause et notre retour, un des matchs qui nous semble les plus importants dans cette journée de compétition, les Misfits premières face aux Game Ward. C'est juste après la pause sur OTP. À tout de suite.